Sweating from your fear. 12. One step.
Eh bien bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Hashtag Twitch, la 68e. C'est bientôt la spéciale, c'est Rhône-Alpes, c'est ça le département 69 en France? Oui. en tout cas, on est heureux de vous retrouver ce vendredi soir. Je vois que dans le chat, il y a aussi des gens qui sont heureux de nous retrouver. Ça fait plaisir aussi d'être avec vous, bien évidemment. Scalperipopette, Xav, Dutan, Macha, Alpa, Darcel. Heureusement que vous parlez dans le chat, c'est bien aussi. Ça, je peux vous citer, et Z aussi. Et pour faire l'émission ce soir, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné de l'équipe du Tonnerre. C'est la meilleure équipe de tout Twitch, bien évidemment. C'est l'équipe au complet, en plus. Donc, on va commencer peut-être d'abord par le plus malade. On va commencer par Z. Salut, Z. Bonsoir à tous. Ma voix revient depuis mercredi, ma voix revient doucement. C'est vrai que mercredi, t'étais un peu enrhumé, ou je ne sais pas, et là, ça va un peu mieux. J'ai passé une bonne partie de l'émission avec le micro coupé pour vous épargner ma toux. Là, ça va mieux, là je sens que ça devrait aller mieux pendant le week-end. Peut-être plus sur la fin de la maladie, bien sûr, pas de la vie. Sur la fin de Z, oui, effectivement, je suis sur la fin, c'est peut-être ma dernière émission cette semaine. Non, tout va bien, je tiens à vous rassurer. Exactement. Et écoute, bienvenue à toi pour cette émission. On est aussi avec Darcel. Salut Darcel. Kikou. Darcel, ça va? Très bien, très bien. Grosse soirée Darcel d'ailleurs, parce qu'il y a l'émission, mais si je comprends bien, tu as aussi une équipe nationale qui a de la gueule. Ah, c'est beau. Il va porter la choune. D'ailleurs, regarde en haut, qu'est-ce qu'on a mis? On va suivre la Coupe des Nations pour une fois. Et ah, ouais. Le salaud. Incroyable. On y va porter l'œil. Non mais c'est vrai, Haïti qui incroyable quoi, Haïti en Coupe des Nations ouais. Qui est actuellement premier. Voilà, on croise les doigts en tout cas, on va suivre tout ça. Mais voilà, en plus j'ai discuté aussi avec Blue Ocean parce que Blue Ocean fait aussi une petite chronique maintenant, vous savez, hein, le questionnaire. C'est le questionnaire de Blue Ocean, c'est comme le questionnaire de Proust, mais pour notre invité, il a aussi. Fait un petit, on va dire, un petit questionnaire. Et effectivement, il m'a parlé un peu de ce match. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts, mais genre vraiment, sincèrement, donc ça va être cool à suivre. Et alors, le dernier, ça fait tellement longtemps qu'on pourrait penser que c'est l'invité, alors qu'en fait, c'est même pas l'invité, c'est juste, il fait partie de l'équipe aussi, c'est Alpa. Salut Alpa. Salut tout le monde. Écoute, ça nous fait plaisir. Enfin, moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Les autres, je sais pas. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de te retrouver. C'est pareil. Ça t'as fait juste bizarre de l'entendre en vrai, de ne pas voir ces conneries dans le chat. De voir le troll. Ah, merde. Je vais pas vous voir vous troller, là. Ça fait chier. Vous pourrez vous pourrez m'insulter en direct, voilà. On n'insulte personne, nous, parce que sinon, on est strikés. C'est juste pour ça. Je t'en ai juste voulu une fois, Alpa. Enfin, voulu amicalement, bien évidemment. Mais un jour, dans le chat, t'as mis exprès, genre. Alors qu'on sait qu'on a des soucis. D'ailleurs, si on a des soucis, on croise les doigts pour pas avoir de soucis de connexion, etc. Je sais pas trop quoi. Mais un jour, Alpa qui avait marqué, genre, je crois, ça lag, je vous entends plus, ça marche plus, un truc comme ça. Et j'ai vraiment cru, tu vois. Là, je me dis, ah, Alpa, quoi. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, c'est cool de t'avoir de nouveau avec toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que t'as une bière, Alpa? Ouais, j'ai une Jeanlin Ambré. Très bien. Une bière du Nord. Ah, pas mal. Vous avez quoi d'ailleurs? Et l'équipe Darcel? Bah Darcel, toi t'es en pleine journée ou tu... Oui, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose? Moi je bois un café là actuellement. Ok, c'est le matin quasiment. C'est pas la bière. Et Z est malade, donc je suis pas sûr t'as quelque chose à boire. C'est antibiotiques et tisane, voilà. Pas mal, c'est aussi pas mal. Moi c'est un petit verre de vin rouge, voilà, tout va bien. Petit vin tout simple. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et d'ailleurs, petite pensée pour Darcel, j'ai mangé une poutine canadienne hier. Oh. Petite poutine. Qu'est-ce que la poutine? Il faut que tu nous expliques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la poutine, c'est un truc, un plat tout à fait diététique, à base de frites, de sauce au fromage et à la bière. Et voilà. C'est un bon résumé, je pense. il faut bien préciser que le fromage, il faut que ce soit un fromage qui fait squeak-squeak. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est ça. C'est-à-dire un fromage qui est totalement plastique et que quand tu le manges, ça fait chouic-chouic. ça porte bien son nom. C'est ça. Avec du fromage chouic-chouic, nous dit Polach. Ah ben voilà, Polach connaît la recette. Avec du fromage super squeak aussi, peut-être, non? C'est ça, c'est un peu ça. Ou Gruic, Gruic aussi. Donc, d'habitude, tu n'es pas au courant, mais on a pris le contrôle de l'émission. Ce soir, ça sera une émission bière, gastronomie et foot. Et ben ça me va. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, pas plus. Non, mais c'est très bien. Et alors, ne vous en faites pas, parce que je pense que les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais où est l'invité? C'est pour ça que j'ai essayé de le mettre un peu partout. L'invité arrivera à partir de 21h dans la deuxième partie d'émission. Donc voilà, l'invité. Déjà, on le remercie par avance, en tout cas, Cobri, qui s'est vraiment, honnêtement. On n'avait pas d'invité jusqu'à aujourd'hui après-midi. On a contacté pas mal de gens, il y a eu pas mal d'imprévus, de choses comme ça, et c'est la vie, ça arrive, c'est normal.
Et Cobry, on a réussi à négocier avec lui, et très gentiment, et il a accepté, mais bon, bien évidemment, il avait des obligations, et c'est normal, mais il sera là à partir de 21h, donc déjà, on le remercie déjà par avance, et puis on verra tout ça pour l'interview, et on pourra parler avec lui, notamment, pour si ça ne vous parle pas, cet invité, et ben, c'est tout simplement le champion de Côte d'Ivoire, rien que ça déjà, ça c'est déjà pas mal, et en plus, il va jouer les Masters, et comme les Masters commencent lundi, si je me trompe pas, j'ai un doute avec lundi, mardi, c'est lundi, hein, je crois, les Masters, j'ai un petit doute, si quelqu'un peut me confirmer, mais normalement... Lundi, oui. Oui, c'est lundi, c'est bien lundi, ça. Oui. Et quand les Masters commencent lundi, on s'est dit qu'on allait justement parler des Masters. Et bah, Cobry, en étant champion de Côte d'Ivoire, va jouer les Masters. Et donc, on va un peu en parler avec lui, voir un peu son état d'esprit, comment est-ce qu'il voit ça. Et on fera une petite page, hein, sur les Masters, on regardera tout ça dans les actualités, etc. Donc voilà, en tout cas, Petit Bac, salut Petit Bac aussi, qui nous confirme que c'est bien lundi. Donc voilà, nous on espère aussi que vous allez bien dans le chat. N'hésitez pas à nous dire, moi j'aime bien voir comment est-ce que vous allez, en espérant que vous allez bien, bien évidemment. Si maintenant vous allez pas bien. J'aime pas trop voir ça, mais dites-nous comment ça va, comment vous êtes, comment ça se passe de votre côté, est-ce que vous êtes en forme, est-ce que vous êtes content d'être vendredi, est-ce que vous êtes content de nous entendre, est-ce que vous êtes content d'entendre Alpa à nouveau aussi, n'hésitez pas à nous le dire, et comme ça on verra si on garde Alpa ou si on devra le virer, bien évidemment, tout ça dépend de vous, on est un peu comme le 12e homme, tu vois, genre on va faire un sondage, non pas du tout Alpa, c'est pour rire, bien évidemment. Je m'en vais et je rentre à ma maison. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, ce soir, grosse soirée comme d'habitude parce qu'il se passe plein de choses. En plus, on va suivre trois compétitions, vu qu'on l'a dit, on va suivre la Coupe des Nations pour voir un peu Haïti, qui est premier avec notamment Blue Ocean et Darcel aux manettes. On va suivre aussi, donc chez les U21, c'est la J8. Oui, c'est ça, attendez que j'ai pas... Non, c'est la J9, pardon, c'est la J9. Et la France a un match capital contre la Palestine. Ça, on va aller regarder tout ça, ça va commencer bientôt. On va suivre aussi Allemagne-Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est aussi un peu mal embarquée, mais peut encore s'en sortir. Et comme notre invité était champion de Côte d'Ivoire, on s'était dit que c'était l'occasion. Et alors, chez les A, on va suivre la Coupe d'Europe avec France, Chypre et Belgique-Croatie. Un beau programme, en tout cas. Il y aura la tribune des supporters. On a reçu un petit message sympa qu'on va vous remettre ici. La chronique de Zed. Zed, c'est quoi ? Je ne suis pas du tout au courant. Tu m'as juste envoyé une image pour représenter ta chronique, mais je ne sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Ouais, ça sera pour l'illustrer surtout. C'est, j'ai décidé de parler des émissions de télé un petit peu what the fuck, toujours, bien sûr. Ok, parfait. Vous verrez que la télé est très surprenante et qu'en France et en Belgique, nous n'avons pas la palme des concepts les plus pourris ou les plus étranges. Ok, très bien. Alors que les matchs internationaux sont lancés. Eh bien, on peut. Ah oui, du coup, il faut faire une prédiction aussi. Exactement, mais comme ça, on fait la prédiction quand les matchs ont commencé. Peut-être, c'est pas mal. J'imagine France-Palestine. Quoi qu'il y a Haïti-Kenya aussi qui peut être intéressant. Mais bon, je pense que France-Palestine. Tu veux vraiment pas qu'on porte la poisse. Hein, ça. C'est ça, exactement. En plus, c'est hyper serré, France-Palestine. On va le voir sur l'étude des secteurs. Alors, Scalper et Popette qui avait marqué la prédiction, heureusement que je suis là, c'est vrai. Scalper et Popette. Merci Scalper. À jamais le premier, en tout cas, dans le chat, ça, on n'oubliera jamais. C'est notre tout premier, la première personne qui a parlé dans le chat et il est là encore avec nous. Donc, bien sûr qu'on est heureux que tu sois là, Scalper et Popette. Du temps qui nous dit, on garde Alpa. Ok, ok. Pour l'instant, le peuple décide qu'on te garde Alpa. Non, mais c'est horrible parce qu'il n'y a pas de raison. Alpa, attendez, vous imaginez pas Alpa, le travail qu'il fait, même pour les missions, pour tout. Il est indispensable à l'équipe Alpa. Il n'y a même pas de négociation possible. Je vais juste afficher les matchs rapidement. Et voilà, donc on va passer sur les matchs internationaux. Donc Z, tu as fait la prédiction. France-Palestine, donc vous pouvez voter dans le chat. Et voilà au niveau des matchs internationaux. Donc d'abord France-Palestine, hein, je pense Darcel, on peut commencer peut-être par ce match qui est match un peu au sommet. Et la France qui est en 2-5-3 face à un 5-2-3 adverse. Ouais, alors on pourrait penser que c'est le schéma classique de CA contre compo à possession, je vais y arriver. Mais là, la Palestine a fait le choix surprenant de faire une contre-attaque très offensive. Donc en général, pour vous expliquer rapidement, sur une contre-attaque, on met un mur en béton en défense. Et le reste, on met ce qui reste. Et là, en fait, la Palestine a laissé pas mal pour être un petit peu offensif et inquiéter fortement la France. C'est une très belle compo de la Palestine, donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait un peu peur, effectivement. Et pour remettre dans le contexte, la France et la Palestine, qui sont tous les deux, je vais vous afficher ça à l'écran, voilà, qui sont tous les deux dernières au classement, en fait. Donc c'est un peu le match de la mort, quoi. Celui qui est battu dans ce match-là, ça donnera un sacré handicap avant la dernière journée, quoi. Donc, alors que le gagnant peut s'extirper plus facilement, c'est ça, en fait, hein, finalement, l'enjeu de ce match. Ouais. Donc à voir, curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas. Mais j'avoue que la contre-attaque de la Palestine est magnifique, hein. Enfin, en tout cas, au niveau des notes, ça fait peur. Bon, après, la France. Ah, c'est dur à dire, en fait, si la France est vraiment devant ou pas, en fait.
quand même, non? Enfin... Ah, en fait, pour vous expliquer, une contre-attaque est lancée que lorsqu'on arrête une occasion avec notre grosse défense. C'est pour ça qu'on met tout le temps une très grosse défense quand on fait une contre-attaque. Et là, vu que la France a la possession et que, par exemple, au centre, ils ont 39% de chance de marquer, ça veut dire que là, si ça passe au centre, il y aura une chance sur trois que ça passe. Donc, c'est un pari osé de la part de la Palestine, mais ça peut marcher. Dites-nous dans le chat, vous pensez, c'est quoi votre pronostic sur ce match d'ailleurs? Je suis curieux de voir un peu dans le chat ce que les gens disent. Est-ce que la France va gagner? Est-ce que la Palestine va gagner? Match nul? Vous le sentez comment en tout cas? Ça peut être intéressant. Bim, un but de la France, mais pas en U21. On a même pas eu le temps de lire la compo. Oui, j'avoue. Alors on va regarder peut-être... dis-moi, quel match tu veux qu'on regarde, celui de la France chez les A? La France en A, qui vient de marquer, la France de Triskel. Excellent. Qui vient d'ouvrir le score. France Chypre. La France qui accueillait Chypre avec un 3-4-3. 3-4-3 très offensif, mais avec une très grosse défense, la possession, tout ce qu'il faut. Et en face, une composition assez A de la part de Chypre, mais qui est un petit peu moins belle que la Palestine. Donc là, la France a directement ouvert le score. Ça sent bon pour la France. Il est facile à prédire ce match. Précision, Chypre joue avec des joueurs de 22 à 25 ans. Hein, donc c'est un bot, on peut dire. Oui, okay. Effectivement. Chypre qui fait sûrement soit une Golden Generation, soit n'importe quoi. Normalement, c'est une Golden Generation. C'est-à-dire une Golden Generation, c'est qu'on prend des jeunes très 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 prometteurs et on leur donne le maximum d'expérience pour en faire une génération dorée pour des années plus tard. Ok, ok. Bah écoutez, franchement, ça c'est plutôt bien. C'est vrai que la France, j'ai presque envie de dire, hélas, elle a perdu la deuxième journée, bien évidemment. Donc elle se retrouve à 3 points. Mais ça pourrait être pas mal de remporter ce match-là, effectivement, pour Triskel en tout cas. Et donc la France a. Ça serait plutôt bien. Ensuite, on peut aller sur la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Retourner chez les U21, si ça vous va. Allez, j'ajoute le match. Alors, à mon live. En fait, j'ai choisi ce match parce que notre invité, comme il était champion de Côte d'Ivoire, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre un match de la Côte d'Ivoire. Et ce match-là est quand même très intéressant parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la France, tu vois. Ils peuvent s'extirper des dernières places, mais ils devront gagner ce match-là. Par contre, le problème, c'est que ce match-là, c'est un peu David contre Goliath quand on regarde. Attendez, je vous affiche le match. C'est un peu le premier contre le dernier, tu vois. La Côte d'Ivoire est actuellement dernière, mais juste à un point du quatrième, par exemple. Donc, l'Allemagne a l'air de faire une contre-attaque assez jolie. Ouais. C'est une contre-attaque beaucoup plus classique, avec le mur vraiment en défense. On s'en fiche de la possession et on essaye d'avoir un front en attaque, qui est le cas pour l'Allemagne. Et du côté de la Côte d'Ivoire, c'est une compo assez classique, avec un gros milieu, quand même des beaux fronts en défense et une bonne attaque à gauche. Donc les deux jouent pas mal sur la chance. Il y en a un qui joue sur la contre-attaque, il y en a un qui joue sur une monolatte. On va voir ce que ça va donner. Ok, et je vais garder le meilleur pour la fin, bien évidemment. On va retourner chez les A. Là, on saute U21A, U21A. Attention, la gymnastique de cerveau pour un vendredi soir, c'est pas évident. Mais là, on va aller sur Belgique-Croatie, ouais. Chez les A. Et donc, là, c'est un match. C'est donc la Belgique qui est en 3-4-3 face aux 2-5-3 croates. Ouais, alors là, c'est beaucoup plus spécial, on va dire, comme match. Donc, les deux jouent la possession, mais c'est avantage la Croatie sur ce point. Mais cependant, la Belgique a des gros fonds d'attaque. Donc, s'ils ont des occasions, ils auront beaucoup plus de chances de les convertir. Mais quand même, il y a un avantage pour la Croatie avec cette possession et une attaque pas déconnante. Les deux qui sont leaders de leur groupe. C'est surprenant la formation de la Belgique, ils jouent un 3-4-3 avec trois milieux et c'est un seul ailier. Et du coup, ils ont vachement un déficit de milieu. Donc, est-ce qu'ils misaient sur une CA de la Croatie ou la Croatie est en pin peut-être, vu qu'ils font 16 au milieu, c'est pas improbable qu'ils fassent un pin, donc voilà. Exactement, et... 3-4-3 c'est la compo qui est souvent utilisée pour contrer les contre-attaques. Peut-être qu'ils envisageaient une contre-attaque de la Croatie. Ok, et alors le dernier match, mais avant on va juste dire bonjour, je crois qu'il y a Xav, c'est Chouane Gozu, Albus Black et Super Squeak qui dit hola amigos et pour Cobriolet.
Mais Cobry, il arrive à 21h, hein, je répète, donc notre invité sera à 21h, hein, mais voilà, vous pourrez le saluer à 21h. Et donc le dernier match d'Arcel, c'est Haïti-Kenya. Et non, parce qu'il y a un but de la Côte d'Ivoire. Exactement. J'essaye de détourner l'attention, ça marche. Tu veux vraiment pas qu'on le suive ? Après, si tu me dis que tu veux vraiment, vraiment pas qu'on le suive, non, on non, le suivra non, pas. Ça, mais Je veux bien qu'on le suive parce qu'on a fait une bonne lecture tactique, donc ça va. Ah, je ok. J'accepte. Ok. Mais donc effectivement, le Côte d'Ivoire qui marque un but, ça c'est incroyable. Enfin, c'est cool. Pour la Côte d'Ivoire, c'est chouette, hein, parce que ce but fait du bien pour l'instant. On veut voir plein de bibouis dans le chat. Exactement. Et oui, effectivement, on a Haïti-Kenya. On a Haïti-Kenya, donc en Coupe des Nations. Le Kenya, je crois, est troisième, quatrième de cette Coupe des Nations. Troisième. Deuxième, je ne sais plus. Troisième, ok. Et du coup, nous, on les affronte en tant que premier, donc peut-être un peu l'équipe à abattre. On avait un petit peu peur là-dessus. On est venu de notre côté en 3-5-2 à possession, parce qu'on savait que de l'autre côté, ça allait venir en 3-5-2 à possession, parce qu'ils font que des 3-5-2 à possession depuis le début de la Coupe des Nations. Ok. Et on a gagné la bataille du milieu, donc sur ce genre de composition, c'est très important. Et en plus, on a une bonne défense, on domine sur ces secteurs, on a quand même de beaux fronts d'attaque. Ah, vous êtes pas mal, hein, effectivement. Au moins, on a eu une bonne lecture. Après, on laisse le moteur de jeu faire, en espérant qu'il soit gentil avec nous. Est-ce que dans la Coupe des Nations, c'est sur terrain neutre ou il y a le domicile extérieur? Oui. Ok, terrain neutre. Terrain neutre, ouais, terrain neutre. Ok, bah écoute, en tout cas, on va suivre ça aussi avec intérêt. Il reste combien de journées dans la Coupe des Nations, d'ailleurs? C'est la journée 8 Il en reste 11, je crois. Ah ok, c'est une longue compétition, oui, ok, c'est pas en 10 journées. En fait, c'est une très longue poule, très très longue poule, et à la fin de cette phase de poule, il y a des playoffs okay. pour les 8 premiers. Et si je dis pas de bêtises, c'est en 17 matchs, et là on en est à... À la moitié, alors journée 8. De jouer, donc ouais, c'est ça, voilà. Ok, mais intéressant. En tout cas, c'est vrai qu'on suit jamais la Coupe des Nations. Là, c'était l'occasion. Et c'est vrai que de temps en temps, on pourrait suivre quand même. Ça peut être intéressant. Mais il y a tellement de compétitions le vendredi, c'est jamais évident. Mais en tout cas, c'est cool de voir ce match-là. Ok, parfait. Mais écoutez, on est bien au niveau des matchs. Zed, est-ce que tu es bien dans les buvettes? Est-ce que tu es au chaud? T'as commandé une petite tisane, une petite camomille. Ce soir, ça ne sera pas la bière. Mais... C'est ça. Exactement. Bah, écoutez, je pense qu'à mon avis, si ça vous va, on peut peut-être passer aux actualités de la semaine. Et voir un petit peu ce qui s'est passé dans le jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Alpa, pas beaucoup d'actualité, hein, je pense que tu m'as dit. Ouais, c'est léger. Donc, lundi, il y a eu le tirage des Hat-Trick Master, donc qui démarre à partir de lundi prochain, du coup. Donc, du coup, il y a Mod Freeman qui a fait un super résumé qu'on peut regarder. C'est avec tous les francophones, notamment, qui vont jouer les Masters. Donc, C'est beau travail de Mod Freeman pour résumer ça pour tout le monde. Clairement. C'est cool. Trop bien. Même pour nous, pour suivre ça, c'est génial. Quoi. Génial. Pour suivre, c'est. Ouais, mais tout mettre tous les matchs dans le live et les suivre. Il y a Kasselec, le chanceux, qui est exempté de premier tour. Donc, parce qu'il est tellement fort que. Voilà. Justement, je me suis demandé. Et sinon, est-ce qu'on sait comment les équipes sont exemptées? C'est par tirage au sort, c'est par hasard? Ou est-ce qu'il y a un numéro de tête de série Je crois que c'est du hasard. Du hasard, enfin, complet, ok. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est du hasard. Ok. Et donc, bah là, on voit que dans les francophones, il y a Marteleur, il y a Mreb, il y a Cobry, du coup, qu'on va recevoir en invité. Il y a Fabinou. Qui est dans le chat. Coucou, qui est dans le chat. Coucou, Fabinou. Il y a Del Naja avec le Ghana, il y a Chercheur et il y a Obad Masqué. Voilà. Donc... Ouais, pas mal de francophones qui vont jouer les Masters, c'est cool. Bonne chance à eux, on espère qu'ils vont franchir au moins ce premier tour et rejoindre Kasselec au second. En tout cas, clairement, c'est... Par contre, attends, j'avais pas fait gaffe. En fait, je t'avoue que j'avais pas vu qu'il y avait déjà un duel fratricide entre deux Français en fait, dès le premier tour. Ça fait mal, quoi. Del Naja contre Freeman. Aïe. Ça, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai, exact. J'ai même pas fait attention, je viens de voir ça là maintenant, tu vois, ça vient de me sauter aux yeux, mais ça, c'est un peu dommage, tu vois, d'avoir un premier duel direct français-français, quoi, mais bon. C'est clair. Et alors,
Donc ça fait quand même du beau monde quand on regarde. Donc il y en a combien? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 quand même. Donc il y a 9 équipes qu'on va suivre. On espère bien évidemment qu'il y en a une qui va aller le plus loin possible. En tout cas, mais il y a du beau monde. En tout cas, quand on voit dans les noms qu'il y a, c'est quand même des noms. La plupart, c'est des noms qui reviennent régulièrement pour des bonnes performances ou des sélectionneurs nationaux, des choses comme ça. Donc c'est chouette en tout cas. Il y a, curieux de voir ce que ça va donner en tout cas. C'est clair. Et vrai tirage au sort pour les Masters, c'est au hasard, ok. Petit Bac nous dit que c'est au hasard, en tout cas. Petit Bac qui avait fait les Masters la saison dernière en étant champion du Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises. Champion de la Coupe du Luxembourg, j'ai un doute, mais... Ouais, si, c'est, il me semble aussi. Et pour rebondir sur le point des tirages au sort, vu qu'il n'y a pas de classement, en fait, dans ces Masters, ça a toujours été en tirage au sort complet. Ok, ce qui est chouette finalement, moi je trouve ça chouette, vu que de toute façon c'est les meilleurs de chaque pays, donc au final c'est bien que ce soit un tirage au sort intégral. Ah, oui. c'est bien. Il y a plusieurs saisons. Il a fait plusieurs saisons, Petit Bac. Non, il y a plusieurs saisons déjà. Ah, il y a plusieurs saisons. Eh ben chapeau quand même. Ouais, mais, chapeau. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression. Mais le temps passe trop vite, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, tu vois, le temps passe trop vite. Moi j'ai l'impression que c'est la saison dernière, mais c'est vrai que c'était il y a peut-être un petit moment quoi. Ok, très bien, en tout cas, à suivre avec grand intérêt. N'hésitez pas à aller, c'est sur le forum France, hein, c'est ça, t'avais dit Darcel, hein, ou Alpa, c'est sur le forum France, hein, si vous voulez revoir tout ça. C'est ça, forum France, ouais. on va mettre le lien dans un coin. Je vais le mettre. Ouais. N'hésite pas. Ok, Alpa, en tout cas, belle news déjà, et merci à Maud Freeman pour le tableau. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre encore? Il y a un autre MyHT Global qui est sorti hier, de mémoire. En gros, c'est plus d'options pour la feuille de match. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais je crois qu'ils ont ajouté quelques critères sur les ordres collectifs. Donc, pour préciser le nombre de buts d'avance ou de retard pour exécuter un ordre bien spécifique. Hein. Donc, en gros, c'est l'équipe est menée par plus d'un but ou par plus de deux buts d'écart. Et vous pouvez mettre une condition, genre votre joueur rentre sur le terrain et compagnie. Donc en gros, ouais. C'est une très bonne chose. C'est un petit détail, mais c'est le genre de petit détail qui me manquait sur les compositions. Quand je vois comment on s'arrache les cheveux sur des détails en compo d'équipe nationale, c'est une très bonne chose d'avoir ça. Et ça permet en fait de programmer notre repli défensif. C'est en fait, avant, on devait faire un repli défensif que si on mène. Et si on mène, ça peut être 1-0, ça peut être 3-0, 5-0, n'importe quoi. Là, on peut dire, bah, quand on commence à avoir deux buts d'avance, là, on peut fermer les buts et mettre le bus devant, quoi. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose qu'ils ajoutent. En vrai, tu vois, il y a Polach qui dit justement de si on pouvait expliquer ce qui a réellement changé. On va prendre un match, on s'en fiche, une feuille de match aléatoire. Donc, mais c'est vrai qu'il y a donc plus d'options, effectivement. Hein, donc, dans les ordres collectifs, si on va dans le nouvel ordre collectif. Et la France qui met un deuxième but, sinon. Ah, cool, bonne nouvelle. Bah, très bien, merci bien pour Z. La France, face à Chypre. Et donc, en fait, on est d'accord, c'est bien dans... C'est par rapport aux situations, en fait, de jeu, c'est ça. Hein. Ah, je peux pas afficher ça sur l'écran. Ah, je suis désolé, par contre. C'est vrai que je sais pas comment ça s'appelle, les menus déroulants ne s'affichent pas sur l'écran. Mais en fait, vous voyez, à droite, dans n'importe quelle situation, ben, en fait, maintenant, il y a des conditions. Il y a deux fois plus de conditions, plus ou moins, je pense. Enfin... Elles y étaient déjà, celles-là. Attends. Ça a été déployé? Pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, par rapport à mercredi dernier, on avait fait la compo justement avec Robaille pour le 12e homme sur le 10 Crédit FC. J'ai remarqué que ça avait changé, en tout cas ici. Maintenant, il y a d'autres changements aussi, tu veux dire? Non, mais il me semble que c'est plus d'un but d'avance. Ah non, c'est peut-être que... Ah oui, attends. Avant, il y avait l'équipe mène et l'équipe mène par plus d'un but d'écart. Oui. Et là, ils ont rajouté l'équipe mène par plus de deux buts d'écart ou l'équipe mène... Et mené par plus de deux buts d'écart. C'est ça. Et ils ont rajouté aussi, l'équipe n'est pas menée par plus d'un but d'écart, etc. C'est les conditions inversées, c'est notamment. Ça, c'est en plus, quoi. Donc, en fait, ça change beaucoup, en fait. C'est bizarre, tu sais, ça a l'air d'être un détail, mais ça change, en fait. Effectivement, si tu es mené 1-0, tu peux aller à fond vers l'attaque, etc. Alors qu'avant, si tu étais mené par 3-0, ça ne sert à rien. C'est autant fermer les goals pour soigner le goal avers. Ouais. Plus deux buts d'écart, c'est déjà là depuis un bail, nous dit Polach. Mais maintenant, tu peux dire si l'équipe n'est pas menée par plus de deux buts d'écart, donc ça aussi, il n'y avait pas ça, tu vois. Ou si l'équipe ne mène pas. Attends, j'ai un pas de bêtises, il y avait plus d'un but d'écart, mais il n'y avait pas plus de deux buts d'écart. Si je dis pas de bêtises. Hein. Le deux buts, moi, j'ai quand même un doute. Mais en tout cas, n'est pas mené par plus de deux buts, ça, il n'y avait pas, tu vois, par exemple. Tu sais, les conditions un peu inversées, quoi, on va dire. Ouais. Alors, Super Squid qui nous dit, il y a en cas d'égalité aussi.
Il y avait, ils disent, Polach et Escalade. Ouais, c'est que, à mon avis, c'est que, oui, non, il va avoir raison. Ouais, je les crois, je les crois. Il va dire des bêtises. Et donc, c'est les conditions inversées. Et alors, égalité, peut-être aussi, ça, je sais plus du tout. Super Squeak a l'air de dire qu'il y a maintenant, en cas d'égalité, que peut-être il n'y avait pas avant, s'il y avait égalité entre les deux équipes. Ah, possible. Ouais. Ouais, ils ont rajouté quelques conditions. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a plus, parce qu'il n'y en avait pas autant. Il y en avait quelques-unes, ouais. Hein, mais il n'y en avait pas, genre, il n'y en avait pas 12, 14 comme là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 14 plus ou moins. Il y en avait genre, ouais, peut-être 8, 9, 10. Mais, Donc voilà, quelques petits changements en tout cas, mais qui peuvent faire la différence en tout cas au niveau de l'interprétation. Ça change quand même légèrement et ça peut changer le déclenchement, quoi. Égalité, ouais. Je crois que c'est vraiment une nouveauté qui ne va pas concerner grand monde, mais il y a des gens pour qui ça va être très utile. C'est clair. Exactement. Ok, bah pas mal en tout cas. Et est-ce qu'il y a eu d'autres actualités encore ? Moi, j'ai rien noté de particulier à part ces deux trucs-là. Donc, je sais pas si dans le chat ou vous de votre côté, vous avez vu passer d'autres trucs. Moi, j'ai découvert un truc. J'ai découvert que j'étais le seul à utiliser la fonctionnalité d'authentification. pardon. L'Allemagne, sinon, qui vient d'égaliser face à la Côte d'Ivoire. Ah dommage, ça, c'est un peu moins sympa effectivement. Ouais. C'est que le début. Donc je disais, j'ai découvert que j'étais le seul en tout cas, parce que moi je ne le fais plus, qui utilisait l'authentification Google pour s'authentifier sur Atrik. Ah c'est vrai ça, ouais. T'as eu des soucis. Parce que oui, j'ai eu un souci effectivement, je n'arrivais plus à rentrer sur Atrik. Ça a commencé mercredi soir, pour le 12e homme, c'était sympa. Et puis le lendemain, ça n'a pas marché. Heureusement, Dapidu a partagé sur un forum anglais, c'était ça ? Ouais, sur Global, Global English. Attendez, je vais vous retrouver le message. Mais c'est ça, Global English. Effectivement, j'avais le problème. Donc, du coup, j'ai transformé mon compte en compte normal. C'est-à-dire que j'ai tapé mon adresse mail Gmail en disant j'ai oublié mon password. Et du coup, bah, il m'a renvoyé un password. Et puis, du coup, ça a désactivé l'authentification Google et j'ai su rentrer. Et c'est assez marrant de voir qu'il n'y a pas grand monde qui a été impacté. Enfin, tant mieux. Ça veut dire que peu de gens utilisent cette fonctionnalité. C'était dans Question English. Effectivement, il y a eu un souci en tout cas de liaison entre les deux, je crois. Depuis mon téléphone, j'ai essayé depuis plusieurs PC, téléphone, tablette, plusieurs navigateurs, ça marchait plus. En fait, l'application me disait que c'était bon, mais on me disait que c'était bon, mais j'arrivais pas à rentrer dans la trique. Voilà. Ouais. Sinon, la France qui vient de mettre face à la Palestine un but. Excellent aussi. Oh, ah, très bien. Bonne très, très bien. Bon, ça. Est-ce que. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui utilisent la connexion par Facebook. Bah j'allais demander dans le chat, est-ce que des gens utilisent une connexion autre que la classique login mot de passe du jeu même, donc c'est-à-dire Facebook, Google, etc. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous utilisez justement autre chose. Facebook, j'utilise Google parce que je trouvais que c'est... Enfin, j'utilise pas pour tout, mais il y a des trucs en quoi j'ai confiance, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même sympa, enfin, ça permet quand même de centraliser un peu tous ces mots de passe, tous ces comptes, en tout cas avec un seul compte. Ok. En tout cas, que du classique, nous dit Petit Bac. Classique pour Scalper et Popette. Moi, ça n'existait pas par Google ou par Facebook avant. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, en fait. Et ok, très bien. Et alors, ouais, il y a aussi sinon des petites lenteurs sur le site dans l'après-midi. Si des gens étaient connectés dans l'après-midi, Darcel, c'est peut-être très tôt chez toi, donc peut-être pas de ton côté. Mais le site était extrêmement lent, mais genre tellement lent que parfois il fallait plus de 10 minutes pour changer de page, donc ils ont eu des petits soucis. Puis ça me l'a fait. Ça me l'a fait tout à l'heure. Ouais. Ok, ouais, c'était vraiment très très lent. Et d'ailleurs, moi j'étais en discussion pour essayer de trouver un invité, tu vois, donc c'est galère quand c'est lent comme ça d'ailleurs. Je me suis dit que ça va être impossible de trouver quelqu'un, mais effectivement, le site était vraiment genre lent, clairement lent. Skype Popette qui dit c'est l'heure du péno. Oh, j'ai pas vu si le péno était bien tiré. Tu peux nous dire, parce que je crois qu'il y a certains soucis sur certains écrans. Donc dis-nous, Skype Popette, si tu as vu le péno. Moi, je l'ai pas vu par contre. Et donc voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire faudra rembourser. Alors, Skype Popette, il y a des soucis sur certains écrans. Il faut croire que sur celui-ci, il y a un souci en tout cas. Donc désolé. C'est remboursé. Désolé. Dans le chat, est-ce qu'il y a eu des actualités de votre côté aussi ? Est-ce qu'il y a des actualités sur lesquelles on serait passé à côté par exemple ? N'hésitez pas à nous dire. Ça ne marche pas, mais visiblement, je n'ai pas été débité. Ok. Vraiment, t'as remboursé, on peut décider de rembourser si c'est un souci. Écoutez, ouais. Moi, sinon, pas trop d'actualité non plus, honnêtement. Non. Bon, il n'y a rien qui m'a marqué cette semaine. C'était plutôt calme, en tout cas. Ça ne marche pas, pas vu. Ok, donc effectivement, il y a un souci péno. Ok, moi, je pense, si ça vous va... Bon, après, le temps file quand même, donc ça va. Ce qu'on peut faire, peut-être, ça serait, si Z, tu as la voix pour et tu es en forme, voir un peu ta chronique. Ouais, je suis curieux de voir de quoi tu vas nous parler
t'en as expliqué brièvement deux mots avant. Mais je vais te mettre ton écran et puis écoute, c'est à toi hein, dans ce cas-là. Ok. Bon, bah, c'est pas la tribune des supporters d'Apple. Ah oui, non, t'as raison. Attendez. Voilà. Attendez, changement de programme. Non, la tribune. Alors oui, en fait. J'arrive de plus en plus tôt, bientôt. Bah... Bonjour, c'est la rubrique de Z. Non, en fait, je vous explique. On n'a pas reçu de courrier, mais en fait, on a reçu quand même un petit message sur le forum qu'on s'est dit qu'on allait quand même mettre dans la tribune. C'est vrai qu'on s'est dit ça un peu en dernière minute. Donc, c'était bien vu ça. Je vais vous. Alors, laissez-moi juste deux secondes. Écoutez, je vais vous laisser meubler deux secondes, si vous voulez. Comme ça, je vais afficher ça pour tout le monde sur l'écran. Donc. Est-ce que quelqu'un peut me... Alors, l'éliminé en top chef est de... Moi, je meuble avec la musique de Iker. C'est le pire meublage. Ah, c'est le moment chanson. On pourrait faire la musique de Tetris. Je crois qu'ils ont fait un film. Oui, j'ai entendu qu'ils avaient fait un film, mais pas sur Tetris. Hein. T'imagines 2h30 de briques qui descendent, ça doit être pas super passionnant. Mais sur l'histoire et le succès de Tetris, j'ai cru entendre ça. J'ai entendu ça tout à l'heure dans la bagnole en rentrant du boulot. Ouais, c'est ça. Et franchement, je pense que ça va m'intéresser. Mais sinon, il y a le film Mario qui va sortir au mois d'avril et j'ai trop hâte. Honnêtement, il a l'air bien. Tu vois, la bande-annonce a l'air sympa. Il y a plein de petites références, t'es Mario Kart, plein de petits trucs un peu sympas sur tout l'univers Mario. Et la musique, je sais pas si vous avez entendu, mais la musique du trailer est même vraiment bien faite. Quoi. C'est Mario un peu remixé moderne. Enfin, je trouve que ouais, elle a l'air en fait, top. C'est ce que j'avais vu dans les commentaires. La voix française est la meilleure voix, en fait. Il paraît, ouais. Oui, ouais. Sur la voix anglaise, c'est pas folle. Mais moi, j'applique une technique depuis quelques années sur les jeux vidéo et sur les films, c'est que je regarde un trailer, et si ça me plaît et que je sais que je vais aller le voir, je regarde plus aucun trailer parce que ça spoil comme pas possible. Ouais, c'est vrai que oui, maintenant les trailers, tu vois quasiment tout le film en 2 minutes, c'est vrai. C'est vrai que ça, il faut faire attention à ça, c'est vrai. Et du coup, j'ai vu que le premier trailer, j'ai fait « Ok, c'est trop beau, j'y vais », et j'ai absolument pas vu les autres trailers d'après. Ah, t'as peut-être bien fait dans ce cas. Moi, le trailer m'a quand même donné envie, tu vois. Je me suis dit, pour Mario, ça va, tu vois, l'histoire. C'est quoi l'histoire de Mario? Bah, c'est la princesse qui se fait... Bah, en plus, là, c'est même pas la princesse, ça a l'air d'être Luigi. Bon, c'est encore différent, j'ai rien dit. Mais on va dire, tu vois, Mario n'a pas une histoire développée, quoi, on va dire. Si je me souviens bien, ils avaient fait un film dans les années 90. Un peu flop, hein, je crois. Ouais, j'avais vu, je pense, mais c'était... Il était curse. Ouais, il était bizarre, quoi. Horrible. Très bizarre. Avec le Mario en vieux plombier qu'à l'arrêt des fesses qui sort. C'est horrible. Écoutez, on a bien comblé, ça m'a permis de... Je crois que j'ai affiché à l'écran quand j'étais sur le forum et tout. Ouais, bon, amateur avant tout ici. Voilà le message qu'on a reçu de Ludo2293, qu'on salue parce qu'il nous écoute en rediffusion. Donc écoute, Ludo, ça nous a vraiment fait super plaisir ton message. Donc voilà, il nous dit « Je vous écris un petit mot pour vous remercier et vous féliciter pour ce que vous faites. Je suis très rarement dispo le vendredi soir, mais je vous écoute autant que possible en replay. Je viens d'écouter l'émission avec l'interview de Maud Freeman. Oui, j'ai un peu de retard. » Bon, franchement, ça va, pas tant que ça. Ah, quoi que ça dépend, c'est peut-être la première de Maud Freeman. Dans ce cas-là, il y a un peu de retard, effectivement. C'était au mois de janvier, mais bon, c'est pas grave. Les interviews et les chroniques sont toujours intéressants à écouter. Ne changez rien, vous êtes au top. Alors là, on se fait un peu mousser nous-mêmes, ça fait plaisir. Mais non, honnêtement, ça nous a fait super plaisir. Donc merci beaucoup, Ludo. Et c'est vrai que les gens qui nous écoutent, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans l'ombre, c'est normal en fait. Voilà, il y a plein de gens qui ne se manifestent pas. Bah en tout cas, ça nous fait quand même plaisir. Et quand on reçoit un petit message comme ça, n'hésitez pas, si vous envoyez un petit message sur le forum global francophone, je sais que ça fait plaisir à l'équipe de se dire, ok, finalement, ça fait plaisir de voir que ça vous fait plaisir, en fait, c'est ça ce principe. Je sais pas ce que vous en pensez, l'équipe, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, clairement. Oui. Clairement. Puis on a fait cette émission pour passer du bon moment avec les gens, donc si les gens passent un bon moment, on va tous passer un bon moment et c'est parfait. Ouais, c'est clair. C'est le but, ouais. Non, c'est le but, franchement. Moi, je pense de toute façon, une émission qui est réussie... Enfin, quand on dit que l'émission, elle est réussie, c'est que nous, on a passé un bon moment et que les gens qui nous écoutent passent un bon moment. En fait, finalement, c'est vraiment ça, le but. C'est pour ça qu'après, dans l'émission, bah, il y a un peu de tout, finalement. Il y a des invités, il y a des chroniques un peu loufoques de Z, etc. C'est le but, c'est que même que vous oubliez un peu les soucis du quotidien ou de la semaine. Donc, effectivement, tu as bien résumé... Darcel, c'est vraiment de passer un bon moment, le but, aussi bien pour nous que pour les gens qui nous écoutent. Et on espère que c'est le cas, en tout cas, pour vous tous. Si vous avez des idées, des envies, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Hein. Si vous avez, je sais pas, si vous trouvez que, par exemple, il y a des choses qui vont pas non plus, que la voix d'un tel est trop élevée, ou des choses que nous, peut-être, on se rend pas compte, parce qu'à force de faire l'émission, il faut bien se rendre compte qu'on a un peu des habitudes. Vous pouvez aussi nous le dire. Hein. Franchement, on est super open à ça. Et d'ailleurs, la dernière personne en date, c'est Blue Ocean, notamment, qui, quand il était passé dans l'émission, il avait tellement adoré l'émission et faire l'émission, que maintenant, il a décidé de faire un peu une petite chronique. Qui nous envoie toujours son questionnaire et tout. Donc voilà, si vous avez des idées comme ça, nous on est aussi preneurs. C'est quand même une émission communautaire à la base. Donc voilà, en tout cas. Et la Croatie qui vient de mettre un bus face à la Belgique. Belgique 0. Ah, 1.
dommage. Et Galoyan qui vient d'arriver dans le chat aussi. Ça, c'est important. Salut Galoyan. Ah, ça, c'est mieux. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir ce petit message. Et Zed, tu vas pas manquer ta chronique. Je pense que là, on peut dire ça à ton tour. Comme ça, tu as le temps. Parce qu'on sait que Zed, il aime bien parfois dépasser sur la pause. Ben là, comme ça, tu as le temps. Tu as tout le temps qu'il faut. Ok, d'accord. Je vais vous parler de quelques émissions que j'ai trouvées assez what the fuck. Des concepts qui sont plus ou moins sympas et d'autres qui sont un peu étranges. On va commencer en 2015. C'est aux États-Unis. C'est lancé par la chaîne National Geographic Channel de Raft. En fait, le concept est simple. On va jouer sur le mythe du triangle des Bermudes. Donc, on va prendre deux équipes, une équipe rouge et une équipe jaune, qui ont chacun un canot, et qui sont déposées au milieu de l'océan Indien, avec un kit de survie. Et qui doivent juste survivre, en fait, entourés par des requins, comme dit la production. Et ils doivent survivre pendant 7 jours sur un canot de sauvetage, comme des véritables naufragés. Donc, il faut savoir que plusieurs caméras sont disposées sur le radeau. Ils ont une petite caméra aussi filmer et ils doivent pas survivre juste avec une canne à pêche, enfin minimum de choses, mais pour te nourrir ils ont une canne à pêche, donc ils doivent pêcher s'ils ont faim et s'ils veulent espérer manger, et un désalinisateur d'eau pour boire. Et du coup la prod n'étant jamais loin, ce qui se passe c'est que c'est souvent celui qui gagne, c'est celui qui survit alors que les autres vont abandonner parce qu'ils peuvent appeler la production et dire top, on arrête. Ça, c'était le premier première émission que j'ai trouvé assez un Koh-Lanta un peu plus dur, quoi. Mais c'est ça, enfin tu te dis c'est quand même autre chose que Koh-Lanta, quoi. Tu mets deux personnes sur un radeau de sauvetage et puis démerdez-vous. 7 jours enfermés sur un tout petit truc, je me dis ça doit pas être super fun, mais bon, c'est vrai. Et le pire c'est qu'il y a rien à gagner, en fait. C'est une émission où on y va pour vraiment le challenge. Il y a juste comme disait l'article que j'ai lu, il y a juste une reconnaissance éternelle et le sentiment d'accomplissement. Ok, ça c'est bizarre, j'avoue, parce que tu vois, une émission, c'est quand même sur une grosse chaîne de télé, ça que t'as dit, ou c'est sur une petite chaîne de télé? Bah oui, National Geographic. Ah oui, quand même, ok, une bonne chaîne. Mais bon, c'était en 2015, donc il y a 8 ans déjà. Ouais, non, bien sûr. Mais... Ok. Toujours en 2015, là c'est l'image qu'on a. D'ailleurs, je vois que la France vient de mettre un deuxième but face à la Palestine. Excellent, ça c'est une excellente nouvelle aussi, en tout cas. Très très bonne nouvelle. C'est pas insolite. Ça c'est bien. C'est insolite cette saison, quoi, pour l'instant, mais c'est une bonne nouvelle, c'est très bien. Et donc je vois que en 2015 est sortie l'émission Labor Game. Labor pour travail, et c'est relatif au travail que fait la femme au moment d'accoucher. Parce que une étude avait émis l'idée que les femmes seraient plus intelligentes après la grossesse. Alors, c'est une étude un peu controversée et un peu farfelue parce que c'est fait sur un panel de 19 personnes et la science ne se fait pas sur des panels aussi courts. Mais du coup, une émission de télé, une production télévisuelle a eu l'idée de faire une émission où ils débarquent dans les chambres d'hôpital des mamans qui sont sur le point d'accoucher. Ouch, ok. Et donc, pendant qu'elles sont en train de pousser et de se concentrer pour faire sortir ce petit être vivant, on leur pose des questions sous forme de quiz. Il y a 7 questions et en fait elles vont gagner par palier différents cadeaux, donc ça peut aller d'une poussette, des chèques cadeaux pour la nourriture de l'enfant, des habits, et la dernière question, la 7e et dernière question, leur permet de gagner pour $10,000 de frais de scolarité. Ok, c'est quand même bizarre, ça c'est vraiment bizarre, quoi. Et c'est ça, donc l'hôpital a accepté. Il y avait un médecin, je vais avoir un reportage, qui disait bon, avec la chaîne de télévision il y a quand même un accord où si à un moment ça dégénère on coupe toutes les caméras et on s'occupe de la mère, parce que bon, des fois un accouchement, tout acte médical comporte des risques, hein, et la naissance aussi. Donc du coup, voilà, mais ça reste quand même, je sais pas, imagine ceux qui ont eu des enfants ou ceux qui n'en ont pas encore ou qui en veulent, vous êtes tranquillement à l'hôpital avec votre tendre moitié qui va faire naître un petit être qui naît de votre union. Faire un peu mes mots aujourd'hui. Et là, vous avez une équipe de caméras et une présentatrice qu'on voit justement au milieu de l'image en train de vous poser des questions. C'est triste, tu vois. Le pire, c'est que les gens font ça. Et je regardais aussi, il y a des gens qui disaient, bah ouais, non, on fait ça parce qu'on trouve ça original et puis ça fera un bon souvenir pour notre gamin. Ouais, moi, je suis pas sûr qu'on montrerait ça maintenant. Je me dirais, mes parents ont bien fait. En plus, tu sais, parfois, je sais pas, les parents, ils peuvent expliquer, tu sais, l'accouchement. Ah, l'accouchement, c'était pas évident, c'était évident, ça a été, machin, ça. Là, si l'enfant, tu sais, les parents qui expliquent à l'enfant, ton accouchement, ah, c'était génial, on a fait un quiz télé, on a gagné 10 000 euros. Ah, pendant qu'on accouchait, ouais, tu sortais pendant ce moment-là, c'était sympa, quoi. Ça, c'est bizarre, ouais, tu vois, je trouve. Hein, c'est un bon souvenir, je sais pas, c'est bizarre.
Sinon, une émission qui pourrait plaire à Alpa, pour résumer très simplement, c'est une émission. Je ne sais même plus où ça vient, tout à l'heure je l'avais noté, mais je l'ai effacé par accident. Enfin, bref, ça s'appelle Hangover. Hangover, traduit en français, c'est la gueule de bois. Je suis bourré! Voilà, et c'est un jeu hongrois. Et le but du jeu, ben, en gros, c'est on prend des candidats, on les saoule à l'extrême, et après on les fait réaliser des challenges. Des challenges, généralement des activités physiques. Et voilà, et c'est celui qui le fait le mieux qui gagne. Donc c'est, voilà, ça reste assez simple dans le concept, mais ça a eu un petit succès. Chose qui... Ça c'était en quelle année? Ça je n'ai plus. Okay. Je n'ai plus. Parce que j'allais dire... À ce qui paraît, il y a une émission similaire qui était sortie sur France 4 et qui s'appelait Alcotest. En 2014. Parce que chose qui se ferait plus aujourd'hui à la télé, enfin en tout cas télé française, belge, ça se ferait pas quoi, tu vois. Enfin, il y avait sur. Ah non, l'alcool c'est un peu. Bah sur YouTube il y avait. Oui pardon. Les recettes pompettes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, qui a eu effectivement, c'était un peu ce concept là. Mais même ça, je pense que c'était un peu la limite, je pense au niveau des. Enfin je sais pas. C'est, mais moi je trouve ça, enfin bref, bon on s'en fiche. J'allais dire je trouve ça chouette, mais bon, non, on va pas voilà. Citer quoi. Oui bon, écoute c'est un concept comme un autre. Après si ça peut aussi montrer les ravages de l'alcool. Pourquoi pas? Ok, sympa. Sinon, j'ai aussi un autre concept en 2008. C'était Bébé à louer. Ça a été imaginé par Endemol. Endemol, c'est la société qui avait imaginé Starac. Starac, Secret Story. Voilà. La majorité de tout ce qui était les poubelles en fait, qui passe à la télé française, hein, c'est Endemol. Toujours les bonnes idées. Et du coup, là, ils avaient imaginé le concept bébé à louer. En gros, le concept est simple. On enferme 4 jeunes couples. On enferme 4 jeunes couples avec des enfants pour tester leur capacité à assumer leur rôle de parent. Sauf que là, vous allez me dire, ok, on vous enferme avec vos enfants, vous êtes enfermé toute la journée avec vos enfants, il n'y a rien d'anormal. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfants, vous allez là, et vous voulez tester la paternité. Donc, on vous propose de tester rapidement. La paternité, donc on vous prête des enfants à différents stades de la vie. On vous en prête un enfant entre 2 et 3 ans, que vous avez pendant, je ne sais plus, je crois que c'était un jour ou deux. Ensuite, on vous en prête un autre de 8 ans, et à la fin, on vous prête un enfant de un adolescent. Donc, on voit comment vous réagissez, et du coup, vous pouvez tester ces enfants qui vous sont prêtés. Du coup, je ne vous cache pas que ça a fait scandale. Certains ont même étudié la question devant le juge, voir si on pouvait louer un enfant. Après, c'est passé parce que bon, les parents n'étaient jamais loin. C'est pas des parents qui disaient, bon, allez, je vous file le gamin, vous le gardez 10 ans, et vous me le ramenez. Non. C'était un peu... voilà. Et, je sais pas. Le concept était un peu étrange. Un peu spécial, j'avoue. Un peu plus que limite, quoi. Voilà. Et pour terminer, je vais vous parler d'amour et d'animaux. Attention. Ok. Attention, oui, ça pourrait déborder. Sinon, je vais vous parler aussi de la France, qui vient de mettre un troisième but face à Chypre, 3-0, et qui vient de faire pareil face à la Palestine, 3-0. Ah bah la France, pour l'instant, c'est royal, en tout cas. La France, oui, là, c'est, ouais. c'est bien parti à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Et alors, salut juste à Yoemu, ciao. Ah, c'est peut-être italien. Saint-Vincent et Grenadine, 1-0, il nous met, ok, très bien. Et salut à Rastov aussi, qui nous rejoint. Voilà. Hello, hello. Et Cochon aussi, bien évidemment, Cochon dans le chat, on a bien vu. Oh non, c'est pas vrai. Il est là. Ouais, Cochon est là. Il a fait un pénalty, il faudra le rembourser le pénalty, mais bon, bref, voilà. Il y a un but de la France contre la Palestine. C'est ce que j'ai dit. Tu l'as dit. Ouais, les 3-0, ouais, les 2-3-0. Okay. Je savais que tu avais dit le 3-0 de Chypre, mais. Non, mais Palestine, tout à l'heure, j'ai failli annoncer le but de la Côte d'Ivoire que tu avais déjà annoncé. Heureusement, j'étais mute, donc vous n'avez pas entendu que j'arrivais comme un cheveu sur la soupe. Et donc, une dernière émission, Zed, tu voulais dire. Une dernière émission, Dating with Dogs. Ça, c'est bizarre. Déjà. Alors, en anglais, ça veut dire. Rendez-vous amoureux avec un chien, attention, c'est avec, c'est-à-dire que l'animal est avec vous. En gros, c'est votre chien qui est avec vous. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en 2022, c'était fin 2022, donc ça doit toujours se trouver, mais nous en Belgique, on n'a pas ça, c'est sur TFX, hein, je pense, le groupe TF1. En gros, c'est l'amour, mon chien et moi. Et en fait, c'est des célibataires qui vont se rencontrer à travers leur chien. C'est-à-dire que un célibataire va être mis face à plusieurs autres célibataires, sauf qu'il ne pourra choisir ses célibataires que par rapport à son chien et à l'interaction qu'il a avec son propre chien. Donc imaginons, Dapidu a un chien, il est célibataire, ce n'est pas le cas, mais il a un chien et il veut rencontrer quelqu'un. On va lui présenter, on va rencontrer trois,
trois jeunes filles qui ont elles-mêmes un chien. Et en fait, bah, Dapidu va aller avec son chien rencontrer les chiens des trois filles sans les voir, voir comment les chiens se comportent ensemble, et en gros va choisir sa partenaire plus par rapport à l'interaction qu'il y a entre les chiens, ou le type de chien, s'il préfère, je sais pas moi, les caniches, les bulldogs ou les Saint-Bernard, que par rapport à la personne humaine. Voilà. Et puis à la fin, une fois qu'ils ont choisi par rapport au chien, ben on commence à regarder si les êtres humains s'entendent bien entre eux, et du coup, ben, ils organisent une rencontre dans un parc. Spécial, étrange même, j'ai envie de dire. Je ne cache pas que c'est le genre d'émission qu'à mon avis, très peu de couples vont marcher là-dessus. C'était comme Tour des Manèges, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très très longtemps. Tout à fait. L'émission Tour des Manèges, il y a très très peu de couples qui se sont formés grâce à ça. C'est juste du divertissement. Les gens y viennent, pas forcément pour rencontrer quelqu'un, juste pour rigoler face à la caméra, et puis après chacun rentre chez soi. Quoi. Exactement, c'est vrai. Donc voilà, c'était mes émissions insolites, et il reste 7 minutes. Merci beaucoup Zed en tout cas. Et dans le chat, Paulette qui nous dit qu'il y a un but de la France contre la Palestine. Merci pour c'est la vanne. Vrai, ça mais non, ça m'a fait rire. Je voulais te couper d'ailleurs pour le redire justement, t'es pour être sûr de revenir sur la vanne. Mais non, par contre, en vrai, dites-nous dans le chat une émission peut-être que vous appréciez vraiment regarder. Et l'équipe, je vais vous demander, est-ce qu'il y a une émission de télé que vraiment... Je sais que la télé, elle est de moins en moins regardée chez les jeunes, je pense, de manière générale, parce que beaucoup de jeunes utilisent maintenant Twitch, et c'est vrai que c'est du contenu plus qui peut convenir directement, ça peut être sur des jeux, etc. Mais est-ce qu'il y a une émission de télé que vous appréciez particulièrement et que vous n'arrivez pas à ne pas regarder, par exemple, ou, voilà. Moi, je ne regarde plus du tout la télé depuis des années et des années, mais par contre, il y avait une émission que j'adorais sur TF1, ça s'appelait « Les 30 histoires les plus mystérieuses », je crois, ou les plus... Ouais, je crois que c'était ça, « Les 30 histoires les plus mystérieuses ». Okay. C'était des histoires genre de fantômes, de phénomènes paranormaux, etc., etc., qui passaient sur TF1 en général à 22h30 quand les enfants sont couchés. Et j'adorais. J'adorais. Et il y a des histoires qui restent dans ma tête de cette émission et j'aimerais qu'ils en refassent. Ok. Alpa? Ah, moi, c'est Top Chef, hein. Enfin, ouais, c'est vrai. Forcément, Top Chef, tous les mercredis. Mais là, cette saison, j'accroche moins, je sais pas pourquoi. Ils ont changé un peu le format et j'ai un peu moins de temps pour suivre aussi, mais là, j'accroche un peu moins. Jusqu'à l'an dernier, j'accrochais pas mal, mais là, bon, un peu moins. Mais sinon, c'est top, ouais, c'est vraiment Top Chef, l'émission que je regarde de manière régulière. Sinon, ouais, je suis pas trop télé, à part pour les infos le matin, quoi, ou le soir en rentrant, et ça se limite à ça, quoi. Ouais, j'allais dire, moi aussi, finalement, c'est, si je dois regarder la télé, ça sera genre le journal télé, tu vois, généralement, ça peut m'arriver de regarder ça, même s'il y a les news maintenant sur Internet, de toute façon. Sinon, moi, un peu Pékin, j'aime bien Pékin Express, tu vois, c'est comme une émission qui me plaît. Je vais pas dire que je regarde ça absolument et c'est l'émission de l'année, pas du tout, mais voilà, c'est un truc que je peux regarder, tu vois, mais c'est vraiment, effectivement, aussi très rare que je me dise, tiens, il y a une émission, je peux pas m'en passer à la télé. Zed, toi, il y a une émission, vraiment, la télé, tu regardes beaucoup la télé, est-ce qu'il y a une émission qui te plaît particulièrement? Regarde un peu. Il n'y a pas vraiment d'émission particulière que je regarde. Je t'entends de moins en moins, comme ça tu sais, avec le micro. Plutôt des documentaires sur Netflix. Ok, mais c'est vrai que la télé est quand même pas trop regardée. Dans le chat, est-ce que... Mystère, l'émission, nous dit juste un joueur d'Arcel. C'est ah, Mystère. Oui. Avec Jacques Pradel, c'était ça, non, je pense. Ben, c'est possible. Non, je crois pas. Non, attendez. Ah, peut-être pas. Cherche et tu nous dis les comme ça, 30... toi. Mais c'est vrai que la Croatie qui vient de mettre un deuxième but face à la Belgique, ça c'est moins bien. Ça. Et dans le chat, on nous dit Kaamelott. Voilà, tu me dis Kaamelott, c'est vrai. Mais Kaamelott, ah, oui, c'est sur YouTube aussi, tu peux les voir tous à la suite, les épisodes. Mais c'est vrai que ça passe aussi pas mal encore à la télé. Galabrian, en fait, c'était les 30 histoires paranormales. Okay. En fait, il y avait les 30 histoires mystérieuses, 30 histoires extraordinaires, les 30 histoires paranormales. Et c'est des paranormales que j'avais adorées. Je vais vous montrer, c'était avec Karine Ferry, et je vous promets que je ne regardais pas pour Karine Ferry. Je vais vous mettre le lien de l'image. Okay. C'était ça. Je vais afficher ça, on va regarder. Je peux, t'es sûr, ouais, hein, ça, pas de piège. Hein. Non, non, c'est juste l'image des deux présentateurs. Ah, mais écoute, ça, c'est mystérieux. Bataille et Fontaine, et c'est avait, un des Ouais. C'est Bataille ou Fontaine, là. Pardon. J'adorais cette émission. Ok, écoute, on va afficher ça, comme ça vous allez voir devant vos yeux ébahis. C'était ça, bon, je peux pas faire plus grand. on nous dit sinon, attends, parce que pour faire un petit mix, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, il y en a pas mal. Galoyenne qui aime bien regarder C'est dans l'air, ça débat intelligemment, les invités se coupent jamais la parole, c'est intéressant.
Pékin aussi pour Scalper et Popette, Affaire conclue, Perdu de vue pour Cochon Star, Le dessous des cartes pour Super Squeak. C'est vrai qu'il y a ça sur, c'est sur Arte, hein, Le dessous des cartes, c'est, parfois c'est intéressant. C'est pas mal ça, j'avoue. J'aime bien toutes les émissions autour de la nourriture, nous dit Petit Bac. Okay. Et d'ailleurs, Le dessous des cartes, il y avait le joueur du grenier qui avait fait une reprise du dessous des cartes, mais sur le jeu Civilization. Et c'était à mourir de rire. Okay. Parce qu'en fait, dans le jeu Civilization, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez, par exemple, avoir, je ne sais pas, la Grèce antique qui va balancer la bombe nucléaire contre l'Allemagne nazie ou n'importe quoi. Mm-hmm. Il se passe des trucs complètement folles et c'est très réalistement fait. Et du coup, ça s'adapte super bien et je vous conseille très fortement d'aller regarder. Il y a une dizaine de vidéos et c'est génial. Et voilà, Cochon Star la connaît, cette parodie, et je pense qu'il vous la conseille aussi. Ok, très bien. Écoutez, pas mal. Ça fait réagir en tout cas, Z, ta chronique, c'est intéressant. C'est bien, c'est l'idée. Pour répondre à Alpa sur Top Chef et les différents changements, je trouve que ça évolue. Je trouve plutôt bien que ça évolue, nous dit Scalpa et Popette, hein, Alpa. Alpa qui est réfractaire au changement, il faut croire. Le raccourci, quoi. Ok, tip top. On a perdu Alpa pour l'instant, qui essaie de nous rejoindre. Il a Discord qui serait tombé chez lui. Ok, ok. Mais de toute façon, pas de soucis, ça va être bientôt la pause. On va voir notre invité qui va venir après la pause. Donc, n'hésitez pas déjà, si vous avez des questions à poser à Cobri, à déjà les préparer, comme ça on pourra lui poser. On fera aussi le petit questionnaire, bien évidemment, de Blue Ocean. Et on parlera un peu avec lui des masters, de sa saison en championnat en Côte d'Ivoire. Et nous, pendant la pause, on va aussi mettre, il y aura les shorts, de toute façon. Mais on a retrouvé Alpa aussi. Alpa est revenu. Je pense qu'on va peut-être juste attendre peut-être la mi-temps des matchs internationaux parce que ça se passe plutôt bien en tout cas du côté de la France. Ça c'est cool. La Belgique a réduit le score aussi. Qui a mis deux buts là. Ah, j'en ai qu'un seul d'affiché chez moi. Attendez, je vais rafraîchir. Moi j'en ai deux donc. Ouais, 43. Bah, deux buts à la 43e minute. Excellent. Mais tout se passe bien. Il y a juste. Il faudrait un petit but d'Haïti, on serait vraiment bien. Undercell. Un petit but d'Haïti, ça ferait plaisir en tout cas, mais bon. Ouais, je suis en train de serrer les fesses très fort donc. Ça donne quoi au niveau des occasions? Attends, je vais jeter un petit coup d'œil. Bah, c'est quasiment 50-50. Ok. C'est pas foufou. C'est un bon match de Ligue 1 là pour l'instant. C'est ça, exactement. Et ben ok, en tout cas, ça va être la mi-temps sur les matchs internationaux. Voilà, dans le chat, n'hésitez pas en tout cas à commenter les shorts, hein, si ça vous plaît. Ça tourne de manière aléatoire. Et nous, si ça vous va, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure, le temps d'accueillir notre invité, de voir un peu tout ça avec lui. Et puis à 21h, on sera tous ensemble avec l'invité. Est-ce que ça vous va, l'équipe? Super. Allez, super. Sûr. Et bah parfait. Et bah à tout de suite. À tout de suite. C'était Kasselec. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce pseudo? J'aime bien poser cette question. Il y en a pour qui c'est simple, comme Courbis OM, mais toi, j'ai beau gratter, j'arrive pas à trouver. Je sais plus, enfin, ça fait un moment que je... Il y a très longtemps que je me suis inscrit à Hattrick. À l'époque, je l'utilisais un peu, et du coup, je l'ai gardé. Il n'y a pas de signification particulière, ça. J'ai cru que t'étais électricien, peut-être, dans la vraie vie, et non, il n'y a pas de ça. Peut-être qu'il savait déjà qu'il serait sélectionneur pour le Selec. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'avais tout prévu. Tout était prévu depuis le début. De combien de pourcents baisse votre milieu en cas de contre-attaque? Donc quand vous cochez la contre-attaque. GM, donc déjà c'est Game Master. Et donc de manière générale, c'est des gens, tu me coupes si j'ai n'importe quoi ou tu complètes ma réponse, hein, n'hésite pas, mais qui s'occupent en fait de tenir hein, le côté sain au jeu, en tout cas, qui sont là pour faire en sorte que le jeu se déroule dans les meilleures conditions. C'est plutôt ça? Bah, en fait, on a différentes casquettes. La principale reste aider l'utilisateur quand il rencontre un problème. Et je vais m'attarder sur ce qu'est l'aide que peut vous apporter un GM. Un GM ne vous donnera jamais d'explication sur le pourquoi vous perdez un match. Pourquoi vous vous êtes pris 5-0 alors que vous aviez 90% de possession de balles au milieu? Il y en a souvent des gens qui viennent le dimanche matin
en ticket GM pour nous dire, mais je comprends pas, j'avais 80%. Ça, c'est pas l'objectif du GM, à vous expliquer comment fonctionne. Est-ce que c'est ça le blob? le blob, il est partout, le blob. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr, il y a une image et tout. S'il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories, donc c'est encore pire, c'est un truc, on sait pas ce que c'est, quoi. Il est fantastique. Ça veut dire, on sait pas ce que c'est le blob. Ah oui, en plus, il est capable d'apprendre. Il y a des machins où ils ont fait des ponts, enfin des petits ponts, hein, etc. Et sur le pont, ils ont mis du sel. Et donc, le sel, ça va pas trop avec lui, mais il finit par s'habituer au sel pour pouvoir continuer à avancer. Pourquoi est-ce qu'il avance? Parce que de l'autre côté du pont, il a repéré qu'il y avait de la nourriture. Et donc, il s'adapte à des tas de trucs, etc. Enfin, c'est un animal, mais vraiment très intelligent et très, très. Et il adore la bière. Oui, effectivement, ils ont fait des tests avec la bière, avec un blob bourré et des blobs de toutes les couleurs. Enfin, je ne pensais pas que j'allais parler de ça. Ah, le blob, c'est intéressant. Mais c'est intéressant. On en apprend quand même, c'est bien. C'est cool. Ah, on apprend plein de choses. Tu l'as joué à fond ou t'as fait tourner l'équipe? Comment t'as fait plus ou moins Ah bah oui, j'ai fait le gros sale, j'ai acheté des mercenaires, des vieux mercenaires pour être sûr d'avoir suffisamment de marge. Et voilà. En gros, je m'achète un trophée, quoi, ça va un peu la Bernard Tapie. Ah mais c'est beau. Donc oui, c'est un message de l'ami Galwayan, je le prononce peut-être mal, je suis désolé. Galwayan. C'est pas de son anniversaire aujourd'hui, on le redit une deuxième fois. Oui, encore bon anniversaire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'étais mieux à ce moment-là, mais bon anniversaire à toi. Et donc effectivement, bah, il nous demande qu'on souligne un peu le fait que le 3 mars a démarré la Coupe des animaux avec un Z. Et c'est quand même la 54e édition, donc bravo déjà à lui pour l'organisation de cette Coupe, et puis bonne chance à tous les participants. J'ai bien vérifié que c'était bien le coach de l'Islande, parce que je me dis peut-être que je me suis trompé de personne et que c'est quelqu'un qui est en train de troller, en fait, je ne savais pas du tout. Et j'ai bien vérifié en anglais que ça voulait bien dire ça, etc. J'ai vérifié plusieurs fois. Il dit, donc que pensez-vous de votre prochain adversaire, l'équipe de France? Il nous répond, la France est assez mauvaise, mais leur manager est probablement encore pire avec deux mods à la suite. Ils ne pouvaient même pas être favoris contre la Slovénie avec un mod, cependant ils ont la possibilité de jouer en pique ce soir et regagner du TS. Alors... C'est cash. Bah, disons que je me suis dit... Peut-être que c'est de l'humour. Enfin, c'est la question qui s'est aussi posée sur le forum. Est-ce que c'est de l'humour ou pas? Mais la France est assez mauvaise, mais leur manager est probablement encore pire. C'était assez violent, donc j'espère que c'était de l'humour. Une tentative d'intimidation pour pousser Kaselec dans le choix qu'il aimerait bien. Quelqu'un a dit ça sur le forum, c'est vrai. À la fin, ouais. Il y a souvent de ça. Hein. Mais voilà, là, ça apporte quand même le côté compétitif, le côté aussi débuter une équipe dans une nouvelle nation. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir aborder avec l'aide du chat. Parce que même si j'ai quelques années d'expérience sur le jeu, les débuts de compétition, en fait, c'est quand même assez loin. Donc, je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses. Exactement. Et c'est le but, en fait, tout à fait. Pour les nouveaux joueurs, c'est de découvrir un peu le jeu aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention. On ne dit pas qu'on a la parole absolue et les invités non plus, mais c'est juste que les invités ont une certaine expérience dans certains domaines précisément, etc. Donc en fait, on va en apprendre chaque semaine, en fait, suivant les managers différents qui vont venir, parce qu'effectivement, c'est ça le but de cette émission, c'est qu'en fait, chaque semaine, j'aurai un coach personnel différent qui sera un joueur expérimenté. Ça va par vague en fait, ça dépend. Alors, déjà, on traduit tous les petits textes de tous les menus que vous voyez sur Atrix, sur le site. Donc, on a une interface où, en gros, à chaque fois qu'il y a un texte de menu qui apparaît, on a typiquement le nouveau simulateur de compo, t'as pas mal de choses, petits menus, les petits textes à côté des interfaces, des boutons que vous voyez, en gros, c'est nous qui les traduisons. Quoi. Donc, ça, il y a un flow qui arrive à peu près. Tous les jours, tous les 2-3 jours, quoi. Globalement, à chaque fois, il y a des petits textes qui sont mis à jour. Des fois aussi, il y a des morceaux de manuel qui ne sont pas à jour, où il y a des erreurs. Donc, les acheter, les corriger, et ensuite, ils nous les envoient. Ça, c'est le travail au quotidien, on va dire. Et puis sinon, après, il y a les annonces, toutes les annonces que vous voyez. Bon, les annonces qui expliquent, tiens, il y a un nouveau simulateur de compo. Voilà ce qui est dedans, voilà ce qui fonctionne. On les traduit. Les éditoriaux aussi. Ça, c'est des trucs un peu plus longs qui expliquent par exemple. Que représente CHPP dans ton pseudo? Donc par rapport à la fonction, par rapport aux mots. J'ai été chercher bien évidemment ce que ça voulait dire, mais peut-être juste expliquer ce que c'est CHPP, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient absolument pas ou que ça ne leur parle pas du tout. Alors, le CHPP, c'est une partie de Hattrick qui permet de créer des applications connexes au jeu.
Et donc, c'est un rôle officiel comme un GM ou un LA comme Alpha. Donc, voilà, c'est un groupe de personnes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce groupe de personnes, ben, il n'y a qu'une personne, c'est moi, depuis un petit moment. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais ce sont des officiels, on va dire, comme les GM, mais qui s'occupent uniquement des applications tierces. Cher GD Vince, et là ça commence bien. Je vous remercie pour votre proposition d'arrangement sur le match de football, mais je dois décliner votre offre. Je tiens à souligner que j'ai un grand respect pour l'intégrité du sport. Okay. C'est pas mal. Et que je ne souhaite pas compromettre cet aspect important du jeu. En outre, ah mince, ça continue. Ah mince, là c'est peut-être un peu long. Je suis convaincu que toute tentative d'arrangement pourrait nuire à la réputation de l'équipe, C'est des vrai. joueurs et des supporters. C'est parfait, quoi. Il est important pour moi que nous jouions de manière honnête et juste et que nous laissions les résultats du match être déterminés par les performances sur le terrain. Je suis désolé. Bah, c'est bien, c'est très bien. On a quelque chose de Ne concret. pas pouvoir accepter votre proposition. Plus chaud. Oui, et puis tu te réchauffes en courant entre les stades, donc ça va. Ah oui, là, effectivement, là, je ne dis pas la vitesse, mais effectivement, grâce à la magie de la fibre, je me glisse dans une fibre entre les continents et je rejoins un stade à Ah, l'autre. Hein. j'allais te poser la question, comment tu faisais pour aller sur différents terrains, différents pays à la fois? Alors, autant pour Allemagne, Bénin, La si. 5G, la 5G. Maintenant, avec la 5G, on fait tout. On a Ok. Internet plus rapide et du coup, on peut se déplacer plus rapidement. En tout cas, dans la dimension où moi je vis. Hein. D'accord, je pensais bêtement que tu avais une chaise qui était vraiment très 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 haut, mais vraiment très très haute et qui te donnait en fait la vue sur les différents terrains. Mais en fait, ok, tu te. Ok, ça va. Non, non, Jusque-là, tout va bien. pour la chaise, je suis en contact avec Ferrari pour me faire une chaise très rapide, mais pour l'instant, ils ne veulent pas. Ok, d'accord. Ok, parfait. Merci bah, pour ces informations un peu exclusives, quoi. Comme ça, on sait comment tu fais aussi vite entre les terrains. Exactement, je suis Scalpus qui nous dit pour acheter des webcams. Alors, on en a. Enfin, moi, j'en ai. Mais on préfère plutôt que vous vous concentriez sur l'aspect texte, sur l'aspect chat, sur ce qu'on dit, plutôt que sur nos têtes, parce qu'on n'a pas tous des physiques très très propres. Je plaisante. Tu vis Mais ski? voilà. Mais vous avez une voix tellement sexe, les gars. Non, c'était juste pour préciser qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre des webcams pour l'instant. Et voilà, donc voilà notre nouveau logo. Et franchement, il est beau, il donne bien. Il donne... Les quatre auraient bien donné de toute façon, hein, bien évidemment. Mais franchement, beau logo. Tu en penses quoi, petit filou, en tant qu'adjoint? C'est celui qui, ça a été dit dans le chat, hein, c'est celui qui représente le mieux le fait que ce soit un club communautaire. Tout à fait. Et j'aime bien l'arrondi du logo. Ah, Pour ouais. tout dire, j'ai pas voté pour ce logo au premier tour, Ok. mais j'ai voté pour ce logo au deuxième tour. Ok. Attaquant costaud, quand il a du buteur et de la construction, c'est un joueur qui peut marquer une occasion supplémentaire si ton occasion échoue. Ouais, c'est ça. Donc là-bas, par exemple, si tu vas sur la finale, tu vois qu'à la 115e, j'ai une action ratée. Et derrière, il y a l'événement costaud. Alors, c'est pas un événement spécial, c'est juste un événement classique. Enfin, un événement tout court, quoi. De l'attaquant costaud qui marque derrière. Donc, il a besoin de buteur et de construction. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est le suspense. Attention. Oh là Là, là c'est la là. loterie. On appelle. Allez, on va appeler Rachid. On va voir ce Let's qu'il va nous go. proposer. Et c'est parti. Bonjour Dapidu. Et Oh, le chat. passable, 15 ans, passable, mais on a de la chatte de ouf. À fond. J'ai trouvé quelqu'un qui semble être un candidat très intéressant. Il a 15 ans. S'appelle Jean-Paul Sanogo. Très bien. À ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de défense faible. Entraîner ce joueur correctement, il aura un niveau de buteur passable. Franchement, Bon, bah c'est déjà pas mal. Alors, Et il a l'air avec un peu de beau. chance, on peut avoir un technique qui a pas mal de construction, qui a de la passe. Ah, il me plaît déjà, lui. Il s'appelle comment? IJPS. Ouais, JPS, voilà. Jean-Paul Sanogo. Je suis curieux de voir son âge. Tu vois, est-ce qu'il a 15 ans et 102 jours ou 15 ans et 13 jours, tu vois? On va voir. On l'accepte, hein, bien Ah, évidemment. on verra. De toute façon, on Dans acceptera tous les toujours. cas, je l'aime bien déjà. Ouais, donc les matchs de coupe, effectivement, sont en plein après-midi, donc c'est pas évident. Donc là, de toute façon, tout au long du parcours, suivre, c'était un bien grand mot, c'était surtout de loin la notification sur le téléphone. Là, pour le match, pour la finale,
Donc le début, j'ai suivi un peu comme ça, et puis la dernière demi-heure, plus les prolongations, puisque en fait il y a eu des prolongations aussi là. J'étais un peu plus attentif sur le téléphone que sur le travail. Du coup, j'ai décalé un peu ma journée. Mais voilà, sinon c'est. Il y a eu ce nom, Simon Toussaint. Simon Toussaint, je ne sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à avoir des frissons. Je dis, qui est ce type? Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur ce joueur et pas un autre? Je ne le saurais jamais. Je clique sur ce joueur et que vois-je? Il y avait tout un tralala sur dans le club. Je n'ai pas été vérifié, désolé pour ce manager. Je me demande si c'est Pascal Perlipopette d'ailleurs. Je ne sais plus. Il nous confirmera, il nous dira si c'est lui. Oui, mais il y avait quelqu'un qui était en train de vanter le joueur et qui disait que voilà, Simon Toussaint, on a assez. Simon Toussaint veut quitter ce club. Et je regarde les transferts de ce joueur et que vois-je? Des transferts, mais des dizaines et des dizaines de transferts. Ce pauvre gars ballotté d'un club à l'autre comme ça et qui revient, qui repart. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait avec les appartements, avec sa compagne? Et puis, ou alors il a plusieurs compagnes, mais comment fait-il? C'était Kasselec. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce pseudo? J'aime bien poser cette question. Il y en a pour qui c'est simple comme Courbis OM, mais toi, j'ai beau gratter, j'arrive pas à trouver. Je sais plus. Enfin, ça fait un moment que je. Il y a très longtemps que je me suis inscrit à Hattrick. À l'époque, je l'utilisais un peu. Et du coup, je l'ai gardé. Il n'y a pas de signification particulière à ça. J'ai cru que t'étais électricien, peut-être, dans la vraie vie. Et non, il n'y a pas de ça. Peut-être qu'il savait déjà qu'il serait sélectionneur pour le Selec. C'est vrai. Ouais. J'avais tout prévu. Ça, tout était prévu depuis le début. De combien de pourcents baisse votre milieu en cas de contre-attaque? Donc quand vous cochez la contre-attaque. GM, donc déjà c'est Game Master. Et donc de manière générale, c'est des gens, tu me coupes si j'ai n'importe quoi ou tu complètes ma réponse, hein, n'hésite pas, mais qui s'occupent en fait de tenir le côté sain au jeu, en tout cas, qui sont là pour faire en sorte que le jeu se déroule dans les meilleures conditions. C'est plutôt ça? Bah en fait, on a différentes casquettes. La principale reste aider l'utilisateur quand il rencontre un problème. Et je vais m'attarder sur ce qu'est l'aide que peut vous apporter un GM. Un GM ne vous donnera jamais d'explication sur le pourquoi vous perdez un match. Pourquoi vous vous êtes pris 5-0 alors que vous aviez 90% de possession de balles au milieu? Il y en a souvent des gens qui viennent le samedi matin, non, le dimanche matin en ticket GM pour nous dire, mais je ne comprends pas, j'avais 80%. Ça, ce n'est pas l'objectif du GM à vous expliquer comment fonctionne. Est-ce que c'est ça le blob? Le blob, il est partout, le blob. Ah oui, c'est ça, oui, il y a une image et tout. S'il ressemble, attends, s'il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories. Donc c'est encore pire, c'est un truc, on sait pas ce que c'est, quoi. Il est fantastique. Ça veut dire, on sait il pas ce se que c'est le répand. Ah oui, blob. en plus, il est capable d'apprendre. Ah, Il y a des ok. machins où ils ont fait des ponts, enfin des petits ponts, hein, etc. Et sur le pont, ils ont mis du sel. Et donc le sel, ça va pas trop avec lui, mais il finit par s'habituer au sel pour pouvoir continuer à avancer. Pourquoi est-ce qu'il avance? Parce que de l'autre côté du pont. Et voilà, rebonsoir. Je vois que ça plaît les shorts dans le chat, donc ça c'est cool. Bon, ça a un peu tourné en rond, mais il y a des nouveaux qui vont arriver, etc. Donc ne vous en faites pas pour les prochaines pauses. Et chose promise, chose due, on a notre invité qui est là et on vous le présente. Il est tout beau, tout frais. Il est avec nous, c'est Cobry. Salut Cobry. Salut, bonjour tout le monde. Ben salut, en tout cas, bienvenue dans l'émission. Ça nous fait super plaisir, en tout cas, de te recevoir. Et franchement, un énorme merci parce que c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement et tu as accepté assez rapidement l'invitation, un peu en dernière minute, entre guillemets, on va dire. Mais ça nous fait vraiment super plaisir d'être avec toi ce soir, en tout cas, pour Un l'émission. plaisir partagé et écoutez, j'ai hâte de pouvoir participer à cette belle émission. Et on
on a pas mal de choses à te dire. Alors, tu es dispo une demi-heure, hein, ça que tu nous avais dit. Hein, normalement, vers 9h30, tu devras déjà nous quitter. Le temps passe toujours très vite dans l'émission, donc tu verras. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'enchaîner assez rapidement. Donc, dans le chat... Ah bah d'ailleurs, attendez, il y a une petite coquille au niveau de la présentation. Donc ça, c'est totalement irrespectueux envers notre invité. C'était marqué Valar dans notre invité, mais c'est... vous avez bien vu que c'était Cobry, en tout cas, c'est ce qui est marqué. Donc, dans le chat, si vous avez des questions pour Cobry, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais parce qu'il est présent avec nous. Donc, pour te présenter brièvement, en tout cas, dans tes faits d'armes récents. Alors, peut-être que tu pourras nous dire aussi d'autres choses par rapport à ce que tu fais dans le jeu, etc., au niveau communautaire. Mais déjà, tu es champion en titre de Côte d'Ivoire. Donc, déjà, félicitations pour ça. Merci. J'ai cru voir dans ton communiqué de presse que c'était un peu inattendu qu'à la base, tu jouais le maintien et que finalement, tu te retrouves champion, c'est ça ? Ouais, bah c'est une saison assez incroyable puisque en fait j'étais promu, hein, donc un promu devenu champion, c'est pas quelque chose à laquelle on s'attend au départ, donc effectivement c'est un truc, enfin c'était une belle saison assez sympa et puis voilà avec une équipe voilà d'outsiders, on a réussi à aller chercher le titre, donc c'est beau. Franchement c'est beau, j'avoue promu Into champion, franchement, chapeau. Et donc, ça va un peu avec l'actualité de la semaine, où on parlait un peu des Masters, on a parlé un peu de tous les francophones dans les Masters. Tu vas jouer les Masters dès ce lundi, en fait, finalement. Exactement. Et alors, je me rappelle plus exactement de la règle, mais l'année dernière, en fait, j'ai fait finaliste de coupe. J'ai Polac, contre Polac, justement, qui m'a éclaté en finale de coupe. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est le finaliste de coupe ou le deuxième, puisque Polac avait tout gagné. Et en fait, j'avais pas pu participer au Master parce que visiblement, je pense que c'est le deuxième du championnat qui est sélectionné, ou alors seulement le premier. Non. Je sais pas. Mais c'est que ceux qui gagnent. C'est s'il y a un mec qui gagne la coupe et le championnat, il y a que lui. Ah ok, il y a pas. Voilà. Ok, donc ça fait une équipe en moins, en gros, en somme. Ça, effectivement. Okay. Donc, tu peux avoir un nombre impair d'équipes en Masters, et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui ne jouent pas le tour 1 pour équilibrer, que ce soit au tour 2. C'est vrai que c'est un domaine que moi je ne maîtrise pas du tout, tu vois. Les Masters, c'est vraiment genre un peu l'élite qui atteint ça, donc effectivement. T'en es loin. Peut-être avec le Dicrit. Croisons les doigts. T'en es loin. Polac qui confirme. La France, rapidement, qui a mis un quatrième but face à Chypre. Ok. 4-0 pour la France. Parfait. Polac qui confirme, hein. Non, c'est que les vainqueurs. J'étais le seul. Ça, c'est beau, quoi, dit comme ça. Polac, il y a une question pour toi. J'imagine peut-être. Je sais pas s'il te troll ou si c'est sérieux, mais il te demande si tu sais déjà quel sera ton enchaînement pick-pin-mot sur les matchs à venir. Ça, déjà, c'est un peu indiscret, on va dire. Et pourquoi en plus, on se connaît bien dans le jeu, puisqu'on on se retrouve assez souvent sur les terrains. Et puis, voilà, pour jouer des finales ou des places d'honneur en championnat. Donc voilà, je pense qu'il doit avoir une idée, mais voilà, c'est secret. Ah non, mais bien sûr. Il la question. Faut pas répondre à tout ce qu'ils demandent dans le chat, hein, les gens de manière générale, parce qu'ils peuvent... Il y a du sérieux, il y a parfois du moins sérieux. Si tu vois Alpa qui marque quelque chose dans le chat, parfois c'est pas sérieux, hein, Alpa. Non, mais là, il a raison, c'est une bonne idée. Et Moi, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Sa question peut passer sur un malentendu. Et alors, si tu veux, moi, ce que je te propose avant de passer aux questions des gens dans le chat, c'est qu'en fait, on a Blue Ocean qui aime bien proposer, c'est un peu une nouvelle chronique depuis 2 semaines, où Blue Ocean nous propose en fait une petite... c'est comme le questionnaire de Proust, mais c'est le questionnaire de Blue Ocean. Donc, c'est un peu des questions un peu sur tout, sur rien, sur le jeu, sur personnel, privé, enfin privé entre guillemets, toujours dans un sens large quand même, on va pas te demander tout en détail. Mais le but, en fait, c'est de répondre du tac au tac quand même, tu vois. Il y aura une vingtaine de questions, si ça te va, et ça permettra un peu de te tenter de mieux te connaître, entre guillemets, tu vois, avec des petites questions, et on pourra débriefer tout ça un peu une fois qu'on aura terminé. Est-ce que ça te va ? Bah, ça me va très bien. Et donc, on va commencer. Donc voilà, ça va être vraiment un enchaînement. Je tiens juste peut-être, juste avant, à remercier Blue Ocean, parce qu'il faut bien s'imaginer que notre invité, on s'est dit que ça s'est fait un peu en dernière minute, et on te remercie encore pour avoir accepté l'invitation. Il faut s'imaginer que Blue Ocean a préparé ça aussi très vite dans ce cas-là. Il a vraiment fait ça super bien. Donc merci beaucoup à Blue Ocean, en tout cas, qui généralement nous écoute en rediffusion. Écoute, c'est parti. Donc déjà, quelle est ta saison préférée ? La dernière. Celle où j'ai été champion de Côte d'Ivoire. Sans conteste. Ok. Café ou chocolat ? Il y a deux types. Café. Languedoc ou Languedoil ? Languedoc, évidemment. Mer ou montagne ? Ou montagne au bord de la mer ? Je suis Sévenol d'origine, donc
Les montagnes, mais pas très loin de la mer. Ok, quelle est ta plus grande qualité? L'humilité. Et ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, difficile à dire, être un petit peu laxiste parfois. Ok, quelle serait ta voiture de rêve? Une petite Ferrari, on va dire. Ok. Si on a le choix. Ferrari le choix. 40 à l'ancienne. Quelle profession aurais-tu rêvé pouvoir exercer? Footballeur professionnel. Ok, ouais, bien vu finalement. Quel est le plus joli mot de la langue française? Allez, on va faire le lèche. On est sur un jeu de foot, je vais dire ballon. Ok, ça marche. Que collectionnes-tu? Les bouteilles de vin. Quel est ton héros, ton héroïne réelle ou fictif préféré? Héros fictif. Comme tu veux. Allez, ouais. On va dire Sangoku. Ah ok. Quel est ton passe-temps favori en dehors d'Attrick? Alors je suis un grand amateur de sport outdoor, le canyoning en particulier. Ah ok, non, je croyais dans le chat on avait peut-être quelqu'un qui était aussi amateur de canyoning, mais j'ai un doute à avoir. Il nous dira s'il y a quelqu'un dans le chat en tout cas. Quel est ton réalisateur de film préféré? Ridley Scott. Ok, quel est ton chanteur ou ton groupe préféré? Oula, il y en a beaucoup. Ah. qu'est-ce que je pourrais dire par exemple? Allez, grammatique. Ok, je connais pas spécialement, mais donc ok, à découvrir en tout cas. C'est un DJ, c'est okay. Assez sympa. Et donc, justement, quelle est la dernière chanson que tu aies fredonnée? La dernière chanson que j'ai fredonnée. J'avoue que c'est pas trop ma spécialité, mais allez, on va dire une chanson paillarde, la rirette. Sur une île déserte, tu emmènes avec toi quel album? Quel album? Les Chronicles de Dr. Dre. Ok, quel est ton plus bel exploit sportif en vrai? Alors j'ai fait du taekwondo, je suis ceinture noire et champion du Languedoc-Roussillon junior il y a un paquet de temps et j'ai fait les sélections pour les équipes de France de jeunes donc voilà mais en junior hein. Après j'ai un peu laissé tomber. Ah, voilà. C'est beau, chapeau, franchement. Tu vois, comme ça on apprend à te connaître, c'est bien en fait ces questions-là. OM ou PSG? Attention. Ça peut être Joker ou aucun des deux, c'est comme tu veux. C'est mon CSC, Montpellier, la paillade, toujours. Okay. Mais entre les deux, je préfère le PSG. Ok. Quel est le plus beau match de foot IRL que tu aies vu, donc en vrai quoi? Le plus beau match de foot on va dire la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Milan. Je sais plus en quelle année c'était, mais il y a eu 4-3 et je crois qu'il y a eu 3-0 pour Milan et Liverpool qui remonte et qui gagne le match. Je crois que c'est le match le plus dingue que j'ai pu voir. Ok. Ah, je confirme. Il était fou ce match. Hein. Moi, j'étais comme un fou parce que j'étais à fond pour le Milan et j'étais comme un fou à la fin. Ouais, tu m'étonnes. L'étape, Paula, tu as raison, c'est avec Doudek. Ouais. Avec Doudek dans les buts. Ah oui, c'est en 2005. Ok. Arsenal ou Manchester City? Arsenal, moi, je suis un ancien et j'ai grandi avec. L'Arsenal d'Arsène Wenger et des Frenchies, là. Donc, clairement, toujours pour Arsenal. Ok, on va dériver vers Attrick maintenant. Jeu créatif ou pressing? Jeu créatif. Sur Attrick, tu préférerais remporter les Masters ou une médaille d'or d'équipe nationale, NT?
C'est une question difficile. Allez, on va dire le truc qui me paraît le plus improbable, les Masters. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite en plus cette saison. Si tu devais créer une spécialité de joueur sur Hat-Trick, ça serait laquelle? Ça, c'est dur comme question. Et ben justement, en fait, je me avec la spécialité chef d'orchestre, je l'ai trouvé assez cool parce que longtemps je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas cette spécialité là, et du coup elle a été inventée. Qu'est-ce qu'on pourrait une renard des surfaces, genre Pipo Inzaghi, ça pourrait être sympa pour les attaquants. Ah ouais, ça fera plaisir à le pas en plus. quel manager admires-tu le plus sur Hat-Trick? J'avoue que j'ai pas de, enfin il y a beaucoup de managers talentueux, hein. Enfin la question n'est pas là, et comme on a discuté là, je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement actif sur la partie sociale du jeu par manque de temps. Mais voilà, enfin, moi j'avoue que au niveau de la, enfin, je participe plutôt à la communauté de Côte d'Ivoire en réalité. Et voilà, Polatch, je t'ai envoyé quelques petites fleurs. voilà, très 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 bon manager, très très belle équipe. Et puis surtout du fair play, parce que voilà, l'année dernière, je lui ai demandé quelques conseils. Et enfin, dans cette course au titre. Et voilà, il n'a pas hésité à partager des infos, etc., qui m'ont été utiles. Hein. Donc merci Polatch, voilà. Et en tout cas, je valorise clairement ton parcours et ton voilà et la personne que t'es, c'est cool. Merci de m'avoir donné des tuyaux l'an passé. Ah, c'est beau en tout cas. Polatch, au passage, qu'on avait reçu. Alors, si tu veux réécouter Polatch, sa date, il faut aller voir sur YouTube dans les rediffusions, le 28 mai 2021. Donc, ça commence à dater, ça fait 2 ans. D'ailleurs, il faudrait le réinviter prochainement. On avait passé un bon moment avec Polatch, effectivement. Quelqu'un humainement, en tout cas, très bien aussi, en tout cas. Clairement. Récemment que ça, avec. Il y a eu une émission justement centrée avec le staff de Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc, justement, si c'était oui. Les fans de Côte d'Ivoire, il y avait Sessui, il y avait Mika du Millefort. 2004, et je crois qu'il y avait Polatch aussi, il me semble. Non, c'était, ouais, mais non ouais. C'était le sélectionneur, c'était... oh, le trou de mémoire. J'aime pas l'eau. Ouais, merci. Donc ouais, ouais. C'est vrai que toi qui es en Côte d'Ivoire, il y a aussi ça, ouais. On a eu des bons invités, hein, et tu en fais partie aussi, que des beaux invités ici, en tout cas. Et alors, attends, il reste... Ah, c'était pas pendant les fêtes où il y avait eu Polatch et Sessui, du coup? Si, pour... si, t'as raison, c'était... oui, on avait vers décembre, il me semble. On avait reçu Polatch et Sessui. Mmh. Je sais plus. Sessui est très très cool aussi. Hein. Clairement. Mmh. Très sympa aussi. Mmh. Je sais plus pourquoi Polatch, si tu peux nous dire. C'est vrai qu'on l'avait reçu une deuxième fois, Polatch. Ah, peut-être une libre antenne. C'était peut-être une libre antenne. Je sais plus. Ça devait être ça, à mon avis. On a fait c'est ça, ouais. Mais en tout cas, ils étaient là tous les deux, j'en suis sûr. Et alors, attends, juste pour terminer le questionnaire, il reste juste 2 questions. As-tu déjà approché un éléphant à moins d'un mètre? Tu as dit quoi pendant ça? Je suis monté dessus même. Ah, t'as monté, ok, donc oui, t'es monté dessus. Et enfin, dernière question, quelle serait la devise qui te représenterait le mieux? Alors, la devise, je sais pas, peut-être un mot, peut-être la persévérance. Ok. La persévérance, écoute. Parce que je suis un ancien, comme je vous le disais, et l'équipe que je mène en Côte d'Ivoire, donc ça fait 10 ans, je pense, quasiment. Et il y a eu pas mal de désillusions, et puis bah, au final, voilà, ça a fini par payer, donc voilà, persévérance. Ok, bah écoute, merci déjà pour tes réponses pour ça. Et encore une fois, merci beaucoup à Blue Ocean, parce qu'il faut s'imaginer qu'en fait, le questionnaire, il n'est pas anodin. Hein. Le questionnaire, il est un peu sur mesure chaque fois par rapport à l'invité. T'as dû remarquer qu'il y avait des questions. J'imagine que Blue Ocean a dû un peu chercher, tu vois, pour essayer de te faire réagir. Merci
Merci à lui, merci Bleu Océan. Tip top. Et je pense qu'il y a peut-être une dernière question par rapport à l'équipe, et après on laissera les gens dans le chat poser des questions, promis, parce que j'ai dit le temps passe vite, tu vois, le temps va passer ultra vite, enfin il est déjà, ça fait déjà un quart d'heure. Je sais que Darcel, il a une question. Darcel a une question qu'il aime bien poser, il pose à tous nos invités cette question, et c'est vrai que c'est une question intéressante. Juste avant la question de Darcel, la Côte d'Ivoire, qui le deuxième but face à l'Allemagne. Ah, c'est pour voilà, une bonne chose. Darcel. Très bonne chose. Magnifique. Darcel a posé cette question que personne ne soupçonne. Ouais, effectivement. Et du coup, je vais te demander, Cobri, d'où vient ton pseudo ? Est-ce qu'il y a une origine marrante ou est-ce que c'est, par exemple, ton nom de famille ou quoi que ce soit ? C'est tout simplement mon nom de famille. Je connais cette technique. C'était pas drôle, mais j'avais pas trop d'idées sur le pseudo, et donc j'utilise ça, mais j'utilise d'autres pseudos par ailleurs, donc. Mais non, je suis aussi connu dans d'autres jeux sous les Nox 34, donc 34 pour l'héros, et les Nox parce qu'à un moment j'étais, enfin je suivais pas mal la boxe, et les Nox Lewis, j'aimais bien ce boxeur. Bon, les plus jeunes ne le connaissent pas, hein, parce que c'était à l'époque de Mike Tyson, donc c'était un petit moment. Mais, tu n'es pas un fan de Rhythmix ? De quoi ? Tu n'es pas un fan du Rhythmix ? La chanteuse, c'était Annie Lennox. Non, ouais, c'est pas la même ref. Ouais, c'est pas le même sport, en tout cas. C'est ça. Ok. Très bien. Je pense, dans le chat, préparez vos questions. Hein. Comme ça, maintenant, je pense qu'on va répondre un peu aussi aux questions du chat. Est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque chose que tu as envie de parler spécialement ? C'est vrai qu'on pourrait peut-être revenir quand même rapidement sur... comment tu le sens pour les Masters cette saison ? Est-ce que tu as un objectif précis ou est-ce que c'est un peu au feeling et tu verras match après match ce que tu peux faire ? Est-ce que ton premier match, comment tu le sens aussi ? Enfin voilà, comment est-ce que tu sens le début en tout cas des Masters et de la compétition ? Alors, pour être honnête, j'ai pas encore eu le temps d'analyser précisément mon prochain adversaire. J'ai regardé vite fait hein, ce qu'il y avait. A priori, mais j'ai pas regardé s'il y avait eu des transferts récents, si voilà, s'il y avait des trucs un petit peu cachés, des blessures ou des voilà ou autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même prenable. Voilà, donc après, c'est quand même une équipe qui a l'air assez solide. Et on connaît tous cette trick hein, avec ben voilà une part d'inattendu qui peut surgir à n'importe quel moment. Voilà, donc je vais quand même. J'ai dit que j'étais. Je faisais preuve d'humilité, donc je vais pas commencer à la ramener non plus. Mais voilà, non, pour le prochain match, je suis quand même assez optimiste. Après, voilà, je sais que bah, ça va pas être facile et que bah, cette équipe-là peut très bien battre la mienne. Hein, donc voilà, on va essayer de faire une compo cohérente avec une tactique cohérente. Et puis on verra ce qui se passe. Et honnêtement, sur les Masters, première participation, et un peu à l'image de ma saison précédente, voilà, j'avance match par match, quoi. Enfin, l'idée c'est voilà de faire du mieux possible. Et puis on verra jusqu'où on va, quoi. Mais bon, clairement le titre sera pas pour nous. Mais voilà, l'idée c'est de s'amuser et puis de voir un peu comment ça se passe. Super Squeak qui nous dit il vise le maintien en Masters, c'est tout ce qu'on te souhaite, tu vois, dans ce cas-là. C'est ça, exactement. Ça serait bien, j'avoue. Et en championnat, tu le sens comment aussi, le back-to-back possible ? Ça va être plus compliqué parce que tu es peut-être plus attendu que la saison dernière ou Clairement. Ça change, c'est ce que je mettais dans mon communiqué de presse à la fin de la saison dernière. C'est toujours... toujours plus difficile de confirmer puisque en plus, quand on connaît l'histoire de ce titre. En fait, je pense que l'année dernière, en début de saison, il y a certaines équipes qui m'ont un petit peu sous-estimé. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des pics ou des équipes un peu bis qui ont privilégié la coupe, etc. Donc, je pense que ça a clairement joué en ma faveur. Donc, du coup, ça m'a permis de battre des équipes, notamment chez elles, je pense que j'aurais pas pu battre différemment. Et puis ensuite voilà, il y a eu des choix et des circonstances qui ont fait que j'ai pu aller au bout. Mais voilà. Du coup, attends, rappelle-moi la question, là, j'ai zappé. C'était par rapport au championnat, comment est-ce que tu le sens, tu vois, est-ce que tu penses que tu peux faire le doublé, quoi, est-ce que le doublé est possible ou ça va être beaucoup plus compliqué, comment tu le sens, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, pour le doubler, bah, voilà, y a plus ce côté surprise, hein, où je pense que là, maintenant, tous mes adversaires vont me prendre au sérieux. Donc, pour l'instant, le début de saison commence bien. Mais voilà, il y a des gros matchs qui arrivent. Et je regarde Polach, si tu suis mon regard, on va bientôt se retrouver pour une double confrontation. Donc ça va être une étape importante, hein, de la saison. Il y a la coupe aussi dans laquelle on est encore engagé. Je crois qu'on est en quart de finale. Donc en fait, la complexité, c'est de pouvoir gérer tout en même temps. Et franchement, c'est compliqué. Est-ce qu'on va faire un choix de jouer uniquement la coupe, uniquement le championnat? Est-ce qu'on va essayer de jouer les deux? Voilà, il va falloir faire des choix. Et puis ensuite, bah voilà, il y a tous les imprévus, type blessure, carton rouge, qui peuvent tout foutre en l'air, quoi. Donc voilà, moi je suis très très mesuré sur ma capacité quand même à gagner deux fois le championnat. C'est pas impossible, mais ça va être très 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 difficile. Ok, en tout cas, on te souhaite tout le meilleur pour ton club cette saison. On va suivre ça attentivement, en tout cas de notre côté. On va voir un peu ce que ça donne, en tout cas au niveau des Masters et du championnat. Dans le chat, oui, allez-y, parce que j'ai demandé ce que les gens posaient questions. J'ai certainement dû en zapper. Attends, je vais essayer de faire marcher dans le chat. J'ai vu que Galwayan, en tout cas, t'a invité dans la fédé des animaux. Ça, c'est déjà ce que j'ai cru comprendre. Galwayan qui recrute. Okay. Ouais. On va y participer. Tu connais la fédé des animaux? Tu as déjà entendu parler? Non, c'est... mais ça me parle bien. C'est une grosse fédération francophone, peut-être même une des plus grosses, non, je pense, je sais pas, en dehors des fédérations des équipes nationales, avec tous les joueurs qui ont un rapport avec les animaux, que ce soit dans le pseudo, dans le logo du club, etc. Et il y a aussi une compétition, enfin, il y a plein de choses, en tout cas, par rapport aux animaux, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Et peut-être que je le vends mal. Galwayan, dis dans le chat, hein, si tu veux le vendre mieux que moi, parce que, mais, en tout cas, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, en tout cas, comme ça. Et Galwayan, c'est un peu le responsable des animaux, tu vois, le hérisson suprême. Quoi, il connaît pas les animaux? Dans le chat, n'hésitez pas. Hein, non, mais t'inquiète, il y a pas de souci. Tu vois, mais tu vas connaître, tu vois, c'est assez chouette. Dans le chat, si vous avez des questions, allez-y. Ouais. Ouais, petite précision, la plus grosse fédération francophone, c'est la Ligue mondiale des ambitieux de Seb Léger. Oui, c'est vrai. Et la fédération des animaux est juste derrière. Deux belles fédérations. 128 membres. Ouais, c'est vrai. Deux belles fédérations. Ouais, il n'y a pas un membre de plus, du coup. Ouais, c'est ça. Dans le chat, allez-y, hein, allez-y, profitez-en. Je ne sais pas si l'équipe aussi, hein, je ne sais pas si Alpa, Darcel, Z, vous avez des questions aussi pour notre invité. Ouais. Ouais, moi j'ai une question, est-ce que tu entraînes des joueurs pour les équipes nationales de Côte d'Ivoire ou est-ce que tu suis les performances des équipes nationales de Côte d'Ivoire U21 et A? Alors, en fait, je l'ai beaucoup fait, en fait, quand j'ai ouvert mon équipe en Côte d'Ivoire, j'ai commencé par construire une équipe en partant d'une équipe de jeunes. Et j'ai formé quelques joueurs qui ont eu quelques sélections. Après c'est toujours très compliqué parce que au final voilà, on sait pas quels joueurs sont en face, etc. Et donc parfois ça joue à pas grand chose pour des sélections, etc. Et plus j'ai avancé dans la construction de mon équipe, plus c'était compliqué en fait de pouvoir faire cohabiter mes plans d'entraînement avec la formation justement de joueurs internationaux, puisque voilà, au bout d'un moment, plus ça va, plus on commence à avoir une équipe expérimentée et plus justement on a un plan qui est spécifique et plus c'est compliqué du coup de pouvoir former. Et je parle même pas des U20 ou enfin des U21, je parle de l'équipe nationale. Mais voilà, c'est pas exclu que à un moment donné, je pense que je me retrouverai dans quelques temps dans un autre cycle, peut-être où je repartirai d'un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant et c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je regarde un petit peu plus parce que malgré tout, ça reste intéressant d'avoir des internationaux puisque en termes d'expérience, il y a quand même une belle plus-value. Donc, quoi pas pour le futur. Ok.
Ok, très bien. Et moi, j'ai une petite question. Vu que tu as réussi dans une petite nation et que c'est ce qu'on espère réussir avec notre club communautaire du 10 crédits, est-ce que tu aurais une recette miracle ou quelle a été ta recette pour réussir dans cette petite nation? Comment tu as fait? Alors, franchement, je m'abstiendrai de donner une recette parce que, c'est une construction déjà de long terme. J'ai eu une première phase avec une équipe justement où j'avais un certain nombre de joueurs du cru. Finalement, on a réussi à gagner un trophée Saphir comme disait Polach. Je suis abonné au trophée Saphir, j'en ai gagné 5 je crois. Donc ça devenait un petit peu saoulant. J'avais réussi à monter en Ligue 1, mais je m'étais fait éclater, j'avais fini dernier je crois. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé complètement de changer mes plans et de reconstruire une équipe en partant d'une équipe de joueurs qui avaient peut-être 22-23 ans. En tout cas, une ossature de joueurs de 22-23 ans avec un plan d'entraînement défini, avec plusieurs sets d'entraînement pour pouvoir les amener là où je voulais les emmener. Et puis quelques recrutements au fur et à mesure, un recrutement par saison ou un recrutement toutes les deux saisons, mais sur des joueurs d'à peu près de la même tranche d'âge et avec des compétences qui manquaient à mes joueurs, parce que qui dit plan d'entraînement dit sélection de compétences particulières. Et donc j'ai pas entraîné attaquant par exemple, du coup j'ai recruté des attaquants et au fur et à mesure mon équipe s'est améliorée. J'ai eu quelques sélections en équipe nationale pour certains joueurs mais pas beaucoup et du coup en gardant la même ossature, c'est-à-dire des joueurs qui connaissent le club, qui ont un niveau de fidélité assez élevé, qui gagnent de l'expérience, parce que on fait jouer plus ou moins toujours les mêmes, on recrute vraiment des joueurs qui manquent dans le schéma. Et donc avec une certaine stabilité en fait, parce que il y a eu des moments, il y a eu des saisons où justement je continuais à rester bloqué sur le trophée Saphir. En D2 je gagnais, mais je me sentais pas hyper fort. Il y a plusieurs fois où j'ai hésité à me dire tiens, ce joueur faut que je le vende pour en racheter un autre, etc. J'ai hésité. Et finalement j'ai plutôt décidé de les garder. Et j'ai l'impression en fait que au final ça m'a plutôt bien servi d'avoir une certaine stabilité en fait sur le long terme. Et donc je pense que je récolte les fruits justement de tout ce travail là, mais c'est vraiment un travail qui a pris du temps puisque grosso modo ça c'est un truc qui dure depuis 10 saisons quoi, grosso modo 8-10 saisons. Donc, plutôt sur ces éléments-là, si j'avais un conseil à donner. Ok. On n'a plus qu'à appliquer ça le mercredi. Voilà, mercredi on fera ça et parfait. Merci en tout cas des conseils, c'est cool, c'est gentil de ta part. Ok, est-ce que vous avez des questions? Parce que si je ne dis pas de bêtises, le temps presse. N'hésite pas à nous dire à un moment. Des 5 minutes. T'as encore 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Vous avez entendu dans le chat, c'est maintenant ou jamais si vous avez une question, sinon après ça sera trop tard. Et en attendant qu'il y ait une question dans le chat, c'est sûr que les gens ont certainement des questions à te poser. Donc dans 5 minutes, après on passera au quiz, on aura un quiz cette semaine d'Arcel, c'est ça hein? Pour gagner 10 crédits comme chaque semaine en tout cas. Donc n'hésitez pas à rester et donc voilà. Écoute. Les gens dans le chat ont l'air calme. Déjà, pas de soucis, pas de problème. En tout cas, t'as déjà répondu à pas mal de questions, donc c'est déjà cool en tout cas. Et ça fait plutôt des blagues sur l'OTAN pour l'instant, ok. niveau-là, sur les jeux de mots. Là. Sur les jeux de mots, ça y va dans le chat. On a un chat spécialiste des jeux de mots, hein. Honnêtement. On a des bons, en tout cas. Des bons, comment est-ce qu'on peut dire des bons? Je ne trouve même pas le mot, tu vois, dans le chat. Ils ont plus d'inspiration que moi, en tout cas. Donc voilà, écoute, moi, sinon...
Je suis en train de dire le chat en même temps, mais il n'y a rien. Non, ok, franchement, bah déjà, moi je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation encore une fois, parce que c'est vraiment sympa en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. Et Avant de partir, est-ce que tu as un petit pronostic pour ton match, si tu veux te mouiller? Ah, pas mal ça. Pour celui des Masters? De lundi, oui, ouais. Évidemment, ouais. Allez, on va dire 2-1 pour nous. 2-1, très bien. On suivra ça. On suivra ça avec grand intérêt, ça c'est clair. Et alors, avant de nous quitter, comme je vois qu'il n'y a pas de... il y a que des jeux de mots sur l'OTAN, peut-être, si toi, tu as quelque chose à dire, un petit mot à dire pour les gens qui nous écoutent ou quoi, sachant qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en rediffusion, donc c'est un petit message à passer, peut-être. Non, mais écoutez, voilà, la communauté a l'air cool, donc voilà, si vous avez... si vous voulez discuter un petit peu, échanger sur Hattrick ou quoi... Ça sera grand plaisir. Et puis, moi, de mon côté, voilà, je vais suivre cette émission avec grand intérêt pour la suite, parce que voilà, c'est vrai que j'en avais entendu parler et je n'ai jamais pris le temps de m'y intéresser de manière précise. Et donc, voilà, en tout cas, ça donne envie. Et puis, vous comptez un nouvel auditeur régulier avec moi. Ah bah, c'est cool. C'est cool. Et n'hésite pas, si un jour tu passes aussi dans le chat sur Twitch, si tu as un compte, tu peux toujours discuter avec nous ou quoi aussi, poser des questions à nos autres invités en tout cas. Donc tu es le bienvenu en tout cas dans les auditeurs. Bah, avec plaisir, merci. Écoute, ça marche, je crois qu'on va te libérer hein, comme le temps presse. Donc voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à souhaiter bonne... on dit pas bonne chance, ça porte malheur, on dit bonne M. C'est ça, hein, je pense, si je ne dis pas de bêtises. On dit merde. Ah, c'est ça qu'on dit, quoi. Donc en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, que ça se passe bien lundi et on espère que tu iras le plus loin possible, en tout cas dans les Masters. Nous, ça va être un peu notre fil rouge cette saison, c'est de voir un peu les francophones dans les Masters, sachant que vous êtes quand même 9, hein, je crois que de mémoire, on avait dit il y a 9 francophones en tout cas cette saison, donc ça va être sympa de voir un peu tout ça, quoi. C'est ça. On va essayer en tout cas de représenter au mieux la communauté francophone et puis voilà, on va bien s'amuser. Ok, ça marche. Et mets pas une fessée trop forte à Polach, parce que sinon, il va pleurer. Écoute, on verra, mais si je pouvais, je pleurerais, mais lui pareil. Donc, c'est clair. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Cobry, d'avoir pris un peu de ton temps pour passer avec nous la soirée. Ça nous a fait super plaisir. Et je suis sûr que dans le chat aussi, ça a fait plaisir de t'entendre. Et encore félicitations pour ton titre en Côte d'Ivoire, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Ben merci à tous et merci pour vos questions et puis passez une bonne soirée et puis bon match à tous ce week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut. Ciao, ciao. Bye. Et voilà, donc en tout cas on a eu Cobry, ça fait plaisir, un bel invité. Alors on sait que le temps passe vite, on le dit à chaque fois, c'est vrai, et c'était court mais intense et franchement il a bien répondu aux questions, très bien. Vous en avez pensé quoi, l'équipe de Cobry? Sympa. Ouais, hein. Et très sympa. Très sympa, ça fait plaisir. En plus, il faut s'imaginer pour. Cool. Ouais, pour que les gens s'imaginent et tout. Ça s'est fait un peu en dernière minute. Et donc, même, c'est la première fois qu'on l'a entendu. C'est en même temps que vous, quasiment. Donc, là, on a pris un peu. Pas un risque, on va dire, mais dans le sens où on n'avait pas testé le micro, etc. Machin. Et agréable surprise, en tout cas. Franchement, très sympa. Donc, merci, Cobry, encore une fois. L'entente est cordiale, nous dit Super Squeak. je ne le connaissais pas. Ouais, bah nous non plus. En tout cas, on a découvert un nouvel auditeur. C'est comme ça qu'on recrute nos auditeurs. On invite les gens pour qu'après ils nous écoutent. Non, pas du tout, bien évidemment. Donc voilà. Moi, j'ai cru entendre qu'il y avait un beau quiz cette semaine aussi. Ouais, effectivement. Et pendant que j'explique le thème du quiz, je vous laisse le temps de rafraîchir votre page, comme d'habitude, pour être sûr d'être à jour avec le live et de ne pas avoir de retard sur les questions. Là, vous avez 30 bonnes secondes pour rafraîchir la page. Vous tapez éventuellement la petite pub sur Twitch qui n'est pas de notre fête, on le rappelle. Je ne sais même pas si on touche de l'argent avec ça. J'imagine qu'on doit toucher genre un demi-centime. Non, je ne sais même pas. Je sais pas. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Mais voilà, en tout cas, vous avez le temps de rafraîchir et on va poser ensuite des questions un petit peu de culture générale. Ouf. Donc là, même si vous ne connaissez pas Hattrick, vous pouvez vous en sortir et remporter les 10 crédits, les fameux 10 crédits offerts chaque semaine. Donc, je pense qu'on va bientôt être prêt. J'ai assez meublé. Et d'ailleurs, par rapport aux crédits, peut-être juste dire combien il y en a dans la cagnotte. Je crois que Z, il est au courant. Oui, attendez un instant. Je vais prendre le décompte.
On t'entend très bas, Z. Hein. Voilà. Ouais. Donc, nous sommes à 100 crédits dans la cagnotte et je vais prendre de quoi noter pour les scores de ce soir. Donc, juste pour la précision, si vous gagnez les crédits ce soir, vous pouvez les prendre, vous devez les prendre, c'est très bien. Après, si vraiment vous ne les voulez pas, vous pouvez les mettre dans la cagnotte qui sera remportée à Noël, donc à la fin de l'année. Et donc, il y aura un gagnant qui gagnera tous les crédits qui n'ont pas été pris lors de l'émission. Mais comme on promet les crédits, voilà. Par contre, une autre petite précision, et je suis désolé d'Arcel, après, je te jure que je te laisse tranquille pendant un quart d'heure sans problème. Mais juste la petite précision, c'est si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est compris dans votre abonnement Amazon si vous n'êtes pas abonné à une autre chaîne. Ça paraît bête, mais ça nous aide en tout cas pour les cadeaux parce qu'en fait, 100% des gains qu'on reçoit, on les retransmet pour les cadeaux. Donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous écoutez en rediffusion, je dis aussi aux gens qui sont sur YouTube et qui ont aussi Amazon Prime, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne twitch.tv/htactu et faire quand même l'abonnement Prime. C'est tout bête, mais en fait, au plus on a des gens qui sont abonnés, au plus on a de l'argent et au plus on vous fait des cadeaux. En fait. Donc vraiment, c'est tout bénef, c'est un peu une, on va dire, un cercle vertueux. Donc voilà, c'était une petite précision. Je ne sais plus comment c'est la manip, mais il y a une petite manipulation à faire, mais n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, nous, ça nous aide, et enfin, ça nous aide, ça fait un budget qui permet de vous offrir après des plus beaux cadeaux encore à Noël, etc. Voilà, Darcel, maintenant c'est à toi, je te laisse tranquille. Très bien. Eh ben, on va pouvoir commencer par la première question. Je sens que les gens sont prêts, sont chauds, ils veulent des crédits. On va commencer avec la question qui va être « Dans la mythologie nordique, comment se nomme le père de Thor ?» Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ouvert des bouquins de mythologie nordique. Normalement, la pop culture vous l'a peut-être un petit peu indiqué. Et Rastoff a la bonne réponse, c'est effectivement Odin. Odin, le père de Thor. Donc ça fait un point pour Rastoff. Félicitations, vous avez de la culture, les gars. C'est ouais. Bien. J'ai pas mal de bonnes réponses. Ils sont pas si bêtes hein, dans le chat. donc voilà, un point pour Rastoff. Nous avons Z qui prend note des points, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Parfait. Et on va passer à la deuxième question. Question un petit peu d'histoire. Maintenant, ça devient de l'histoire. Quel activiste du mouvement des droits civiques aux États-Unis est connu pour avoir refusé de donner sa place dans le bus? Voilà, une petite partie d'histoire que vous avez normalement tous étudié à l'école. Et vous devez savoir ce nom assez connu. Et je le vois, Polach, là, effectivement, c'est Rosa Parks. Rosa Parks qui avait refusé de céder sa place dans le bus à l'époque où le bus, il y avait une partie qui était réservée aux hommes blancs, etc. Enfin, une partie assez horrible de l'histoire. Donc voilà, un point pour Polach. On passe à la troisième question de l'histoire, un petit peu de culture générale. J'aimerais que vous me disiez quel était le nom de New York entre 1624 et 1664. Donc, New York avait un autre nom en 1624. Donc, j'aimerais que vous me sortiez quel nom c'était. Et effectivement, cochon star là, c'était New Amsterdam. Donc, les Hollandais avaient pris cette partie de l'Amérique et ils avaient, je crois, inauguré la ville et ils l'avaient nommé New Amsterdam, en hommage bien sûr à la ville d'Amsterdam. Je peux faire une petite précision, Darcel, ça ne te dérange pas, parce que je vois que Cochon, en tout cas, demande l'avare pour la première question. J'ai vérifié, c'est bien Rastoff le premier. N'oubliez pas que dans le chat, enfin parfois vous voyez en premier, mais comment expliquer ça à chaque fois? En gros, si vous tapez au même moment que quelqu'un d'autre, on va dire, allez, un dixième de seconde plus tard que quelqu'un d'autre, vous serez mis en premier chez vous parce que c'est une question de serveur, etc. Donc le serveur va penser que c'est vous en premier. Mais en vrai, nous, on a le chat qui est vraiment neutre. Donc on vous promet que nous, les gens qu'on voit, c'est vraiment au dixième de millième de seconde près. Et donc je peux confirmer que c'est Rastoff. Mais c'est vrai que c'est perturbant parfois si vous voyez premier et que vous n'êtes pas premier. Mais on vous promet qu'on a le chat qui est neutre. Et donc il faut se référer au chat qui est peut-être sur l'écran. Donc voilà, c'est juste pour refaire la précision, mais c'est toujours important pour pas que les gens se sentent lésés. Donc voilà. Donc désolé, cochon, mais t'étais deuxième, mais de presque rien, vraiment. Et voilà. Et bonjour à Seb qui vient de suivre la chaîne. Donc bienvenue, c'est le quiz. N'hésite pas à répondre. Et voilà. Donc t'as le temps de te chauffer les doigts et de te préparer pour la quatrième question. Et ne t'inquiète pas, t'es toujours dans les temps pour finir premier parce que je crois qu'il y a une égalité parfaite pour l'instant. Tout à fait. Et du coup, on va passer à la quatrième question.
On va continuer sur les Hollandais, parce que j'ai découvert cette petite fact qui m'a fait sourire. J'aimerais que vous me disiez d'où vient le surnom des Orange, ou Orange, je ne sais pas comment ça se prononce, des Hollandais. Oranje, je crois que c'est Oranje. Oranje, bah peut-être Oranje. Tu es plus proche des Pays-Bas de Flandre, que moi. Ouais, Flandre, Pays-Bas. Bah non, mais ça va, je pense que c'est Oranje en vrai, tu vois. Mais bon. Donc, je crois qu'on commence à avoir des bonnes réponses. On a Polach. Ouais, Polach, je vais te l'accepter. C'est en effet, le nom vient de Guillaume d'Orange. Je vais dire son nom complet, c'est Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Et en fait, pour la petite histoire, pour la petite fac que vous pourrez sortir en soirée la prochaine fois, ce Orange-Nassau, donc le nom de famille de ce noble qui a donné le nom aux Hollandais, vient de la ville d'Orange, dans le Vaucluse, parce qu'il venait tout simplement de cette ville. Donc sachez que les Hollandais ont leur nom qui vient d'une ville du Vaucluse, en France. Donc c'est Cochon Star. À la limite, je l'accepterai pour Polach et pour Cochon. Parce que Polach a donné en premier la bonne réponse et Cochon a donné une réponse complète. Donc le temps qu'il écrive, je l'accepte aux deux. Noté. Cochon avait commencé à rager, mais c'est bon, ça lui convient. C'est bon, tout va bien. Donc voilà, on va passer sur la cinquième question, beaucoup moins dans l'histoire, beaucoup plus dans la pop culture. J'aimerais que vous me disiez... Oh, oui. Je voulais juste dire que l'Allemagne vient d'égaliser face à la Côte d'Ivoire. Ah, dommage. Deux partout. Ah. Il reste encore 2 minutes de jeu avec peut-être des arrêts de jeu. Ok. Donc, question de pop culture, j'aimerais que vous me disiez sur quelle planète Superman est né. Ah ouais. Voilà, c'est assez connu, mais quand même, faut l'écrire. Galwayan a la bonne réponse. Effectivement, c'est Krypton. Krypton, la planète Krypton. Donc, ça fait un point pour Galwayan. C'est très serré, hein, ce quiz. Il y a beaucoup de gens qui répondent et tout. C'est beau. La pop culture, la culture en général, on sent que les gens sont prêts. Et on a un chat intelligent. Ça, c'est beau de se dire ça. Tu vois, finalement, c'est cool. Ouais. On va passer sur la, je vais regarder le nom, c'est la sixième question, toujours dans la culture, mais là c'est pas de la pop culture, c'est de la culture tout court. J'aimerais que vous me citiez le nom du personnage imaginé par Arthur Conan Doyle, et petit indice, ce personnage habite au 221B Baker Street. Je ne vais pas prononcer 221B en anglais, mais il faudrait. Et Galwayan était prêt, c'est effectivement Sherlock Holmes. Ouais, remontada de Galwayan, hein, en tout cas pour l'instant. Et oui, effectivement. Effectivement, donc oui, Sherlock Holmes qui a été imaginé par l'auteur Arthur Conan Doyle qui habite à Baker Street. Donc on va avoir la dernière question pour départager tout ce beau monde, parce qu'il y a pas mal d'égalités. Voilà, on va laisser du suspense, mais il y a de l'égalité. Et je vais vous demander une question dont je connais la réponse, et j'espère que vous aussi. Combien de provinces compte le Canada? Donc le Canada est séparé en provinces, donc c'est un petit peu comme des États aux États-Unis. Et il y en a un certain nombre que Cochon Star a trouvé. C'est effectivement 10 provinces. Et c'est Cochon Star qui l'a sorti en premier, il l'a dégainé en premier. T'es que je savais pas du tout ça, franchement. Cochon Star, petit bac, Polat, qui l'ont eu très rapidement, bien joué, quoi. Je savais pas du tout ça. Ah, il a dit au pif, Cochon. C'est vrai, ok. Mais il a fait comme en Belgique, je crois que c'est 10 aussi, il y a 10 provinces en Belgique, tu vois, il a dû se dire c'est pareil, quoi. Ça a beaucoup de chance, donc bravo, bravo Cochon, c'est effectivement 10 provinces. Donc, point pour Cochon. Et est-ce que Z peut nous faire un petit récap des scores, du coup? Curieux de savoir qui a gagné. Rastoff avec un point est quatrième. Et troisième, Galwayan avec sa petite remontada. Et ses 2 points. Ensuite, Polachichi avec 2 points. Et notre vainqueur, c'est un peu le revenant du jour, Cochon Star avec 3 points. Eh bien, bien joué, Cochon Star, en tout cas. Bien joué.
Bien joué à lui. Et donc, c'est quelque chose, c'est bien ça que t'as dit, Ted. Hein. Tout à fait, oui. Pourquoi il y a un souci avec les points? Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai eu un doute avec, pardon, avec les provinces en Belgique. J'étais en train de réfléchir en même temps. Parce que j'ai vu que Seb a dit 9, mais je crois que c'est bien 10. Hein. Il y a bien 10 provinces en Belgique depuis la 4e réforme de l'État. C'est ce que j'ai vu vite fait pour être sûr. Tu m'as mis un petit doute, Seb. Donc, ouais, mais c'est bien 10. Et c'est donc Cochon Star qui garde les 10 crédits. Et c'est très bien. Très bien, Cochon. Tu recevras tes crédits juste après l'émission. Avec grand plaisir. En tout cas, on est très contents. Et beau quiz, hein, Darcel. C'est sympa, en tout cas. Ça a plu aux gens. Bon, tant mieux. Et ouais, j'ai discuté avec Seb vite fait, et Seb qui nous a rejoint, c'est quelqu'un qui a découvert, je crois, le 12e homme sur YouTube et qui nous rejoint sur le live aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Accueille-le bien, Seb, qui est arrivé en plein milieu du quiz, qui est dans le chat, un petit nouveau dans le chat en tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à lui faire le baptême habituel, est-ce que c'est un animaux, est-ce que, enfin bref, vous connaissez la totale. Et donc Cochon qui gagne les 10 crédits. Franchement, ah, d'ailleurs, oui, avant de dire que c'est une bonne émission, je me demandais juste, Haïti, qu'est-ce qu'ils ont fait? 0-0. Ah, plus jamais on suit le live d'Haïti en live, parce qu'on s'est fait voler. On s'est fait voler, on avait 55% de chances de gagner au replay, et on a fait un pauvre 0-0 dégueulasse. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être une défaite, tu vois. Faut voir le verre à moitié là, plein. Là, je serais parti en criant partout. Ça donne quoi au niveau du classement, alors, dans ce cas-là, pour Haïti? C'est pas actualisé encore, pour l'instant. Okay. Pas de mon côté. Mais il y a moins qu'ils restent dans les premiers. Faut voir ce qu'a fait le deuxième, mais ils avaient quand même pas mal... Ils avaient 2-3 points d'avance sur les 4-5e, non, je crois. Attends, je vais regarder tout ouais, ça. Ouais, ouais, le but, c'est quand même de finir dans les 8 premiers, donc ça reste un bon résultat, mais... Ah oui, c'est vrai, c'est les 8 premiers. Mais 2 points en plus, ça aurait été plus agréable. Ah, et le deuxième a perdu, donc... effectivement, c'est un double bon résultat. Du coup, on peut peut-être faire le tour des matchs. Bah écoute, vous êtes très bien, ouais. Très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs ce soir qu'on a suivi en fil rouge? Belgique-Croatie 3-2 pour la Belgique. France-Chypre, bon la France 4-0. Allemagne-Côte d'Ivoire 2 partout. France-Palestine 3-0 pour la France. Haïti-Kenya 0-0. Et j'ai complété la prédiction. Et donc en gros, il n'y avait que des mises pour la France. Et ben tout le monde récupère sa mise simplement. Ah, tout le monde avait voté la France. Ok. Oui, bon, donc du coup, les gens récupèrent leurs points, c'est tout. Sinon, ils les perdaient, ou s'il y en avait un qui avait voté pour un autre, ben, il serait partagé ses points. Ok, tip top. Ben, très bien, écoute, merci beaucoup. Mais franchement, c'était une bonne émission. Ça passe toujours très vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, comme d'habitude, c'est passé très rapidement. À noter quand même que le très bon résultat de la France face à la Palestine nous permet de remonter au-dessus de la ligne de flottaison. Oui, ça c'est bien. Ça c'est un très très bon résultat parce qu'on dépasse Guam et on prend même un petit pécule de 2 points d'avance. Donc, ouf. Clairement. C'est le match de la peur et c'est bon, ça passe. Seb qui nous dit « Ah mince, c'est fini ». Alors oui, en fait, comme ça tu sais, le vendredi, on commence toujours vers 19h50. Donc là, ça fait quand même 2 heures et on a eu pas mal de choses, pas mal d'émotions. on a eu un bel invité à 21h. Je te conseille peut-être de réécouter la rediffusion qui sera normalement demain matin sur YouTube. Donc n'hésite pas à écouter la rediffusion. On a eu comme invité Cobri, qui à 9h, de 9h à 9h30, qui est champion de Côte d'Ivoire et qui va jouer les Masters. Et donc oui, l'émission généralement se termine plus ou moins vers 22h parce que c'est déjà pas mal, on va dire, au niveau du temps. Et n'hésite pas à passer, sinon mercredi aussi, mercredi c'est le 12e homme en direct, tu peux aussi nous suivre en direct, le mercredi à 20h, et là on sera avec Kasselek, Kasselek figure emblématique de l'émission un peu, un des premiers invités en plus qu'on a reçu, le deuxième, parce que le premier c'était Alpa, faut pas oublier ça, à l'époque, Alpa. Je t'en. Alpa là je crois. Alpala. Ah si, non, pardon, désolé, j'étais en mute. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, j'aime bien te piéger parfois exprès, tu vois. Ça coupe. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Je vais remettre la chaîne YouTube, bon, pour les gens, au cas où s'il y a des gens qui nous écoutent. Donc la chaîne YouTube, c'est ici. Vous pouvez écouter les rediffusions. C'était une très bonne émission. J'étais content. En plus, avec toute l'équipe, on était bien tous ensemble. Alpa, ça faisait longtemps. Est-ce que ça a été la reprise, Alpa? Tu t'es pas foulé la cheville? Tout va bien? Tout s'est bien passé? Ouais, j'ai bu une bière de trop, je crois, et voilà. la fameuse de trop. La fameuse. Et... La Fischer en vrai en ce moment. Ok. Et Darcel et Z, bonne émission. Très bonne. Ouais, mais plus jamais Haïti dans les lives.
plus jamais. C'est vrai, vraiment, vraiment superstitieux à ce point-là. Ok, ça m'a promis, je le ferai plus. C'est horrible. Mais tu vois, je me suis dit que c'était pas mal, tu vois. Enfin, tu comprends où je m'étais dit. En plus, j'ai discuté avec Blue Ocean avant, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, on va mettre Haïti pour un peu rendre honneur, mettre un peu la lumière sur Haïti. Mais c'est vrai qu'on a tendance à porter la poisse, quoi. Non, mais t'as raison. À chaque fois qu'on suit l'équipe d'un invité, à chaque fois, ça perd. Donc là, c'est pour ça que tu t'en sors bien. Hein. Franchement, match nul avec Haïti, ça va. Hein. C'est très bien. D'accord. Mais tu veux pas inviter le sélectionneur adverse la prochaine fois, s'il te plaît? On peut s'arranger, effectivement. Et ben ça va, franchement. Merci à vous dans le chat. Hein. Vous avez été nombreux, mine de rien. On était toujours une vingtaine. Vous étiez toujours plus d'une vingtaine présents, en tout cas. On a passé un bon moment. Vous êtes vraiment excellents dans le chat. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à dire. Vous savez que vous êtes tellement, il y a tellement de plus en plus de messages. Je sais pas ce que vous en pensez l'équipe, mais ça devient difficile de tout lire parfois dans le chat, parfois quand il y a les invités, etc. Oui, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est dommage de pas pouvoir tout lire, mais quoi que ça va, on arrive quand même à lire des fois, à remonter un petit peu. Mais ce qui est bien en plus, c'est que ça fait des interactions entre les gens du chat. C'est les gens peuvent venir sur le chat pour discuter avec d'autres personnes, pas forcément discuter avec l'invité ou avec l'équipe, donc c'est cool. Scalpé Popette. Quoi, je vois tout à l'heure, ça se faisait un concours de jeux de mots sur l'OTAN, c'est très bien. Régalez-vous. Clairement. Et, ah oui, vous savez peut-être mettre le lien du Discord, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur Discord aussi, effectivement. Oui, je l'avais déjà partagé, je vais le repartager. Et Scalpé Popette qui dit tu nous lis plus d'Apidu. Si, si, franchement, je vous jure que je vous lis au maximum. Mais parfois, quand il y a l'invité, le questionnaire de Blue Ocean, vérifier le stream, que tout soit ok. J'avoue que parfois, pendant 5 minutes, j'ai pas les yeux sur le chat, ça peut arriver, mais j'essaye de rattraper. Si je vois qu'il y a vraiment quelque chose, le but, c'est quand même de vous lire, parce que l'émission sans vous, c'est pas la même, bien évidemment. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour aujourd'hui. C'était une très bonne émission, un bon invité, on a eu tout ce qu'il fallait, et un très bon chat. Donc voilà, moi en tout cas, je vous dis à mercredi pour le 12e homme à 20h, et puis je vais laisser l'équipe conclure aussi, si voilà, n'hésitez pas. C'est à vous. Bah comme d'hab, merci à tous d'être venus. C'était toujours une chouette soirée avec toute l'équipe, notre invité et le chat. Bonne semaine à tous. Et puis moi, je vous dis, je pense à mercredi aussi. Ouais, à mercredi. C'était cool. Et puis on se retrouve très vite. À mercredi, bon week-end. Et buvez avec modération, mais pas trop. T'as raison, c'est bien, Alpha. À mercredi, ciao, ciao. Ciao. Ciao.